bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui parle. Avec nous ce soir, une invraisemblable histoire d'imposture. Béatrice Dahl. This is la peste. Dominique Boinet. Frédéric Becbédé. Maître Collard. Zazie. Éric Morena. Rachida. New Order. Le blind test de Frédéric Becbédé. Et mon ami Romain. Ça va, Laurent? Merci. Alors, est-ce que tu as reçu des vannes? Plein de vannes. J'avais demandé la semaine dernière qu'on m'envoie des vannes. Bon, j'ai reçu plus de blagues que de vannes, ouais. De devinettes, mais quand même, ça peut être drôle. Fais est-ce voir. Que tu connais la différence entre un sanglier et une grosse? Non. Bah, quand tu tires un sanglier, tu t'en vantes. Tu vois? C'est une mine d'or, ce truc. Olivier. Ouais, bravo, Olivier. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Et bravo. Monsieur et Madame Nébouré ont 3 fils. Aïe. De Willy Régnier. Non, ça, c'est pas la vanne, c'est le nom du mec. Hein. Ils sont très cons ce soir. Hein. Ça va monter. Alors, monsieur et madame Nébouré ont 3 fils. Derek, Tom, Jean. Pourquoi? Derek, Tom, Jean Nébouré. Ouais, ça marche bien. Hein. Oh là là là. Oh là là là. Voilà. Ouais. Ça, j'ai pas compris pourquoi les souris gni-gni. Parce que les ragnagna, je n'ai rien compris. Une petite dernière pour la route. Ouais. Quelle est la durée de vie d'une pisseuse, nous demande Super Cornichon. À mon avis, c'est un pseudo. Ouais. Ou alors, c'est un handicapé patronymique. C'est l'un ou l'autre. La durée de vie d'une pisseuse, c'est 17 ans après, ça devient une chieuse. J'accueille Christophe D'Antonio. Christophe D'Antonio, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Donc, vous avez débuté dans la carrière comme reporter à l'agence Reuters, avant de devenir rédacteur en chef adjoint du magazine Gala. Et vous publiez aux éditions Patrick Robin un livre intitulé « Le caméléon, l'invraisemblable histoire de Frédéric Bourdin ». C'est une enquête à partir de laquelle un documentaire est en cours de fabrication chez France 3. Frédéric Bourdin, ben, le caméléon, parce que c'est un redoutable imposteur, un formidable manipulateur que l'on pourrait facilement comparer à Leonardo DiCaprio dans le film de Steven Spielberg « Catch me if you can ». Voici Frédéric Bourdin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bienvenue parmi nous. Merci. Eminem, bonsoir. Est-ce qu'on a une traductrice? Belinda. C'est pas Eminem, c'est Frédéric Bourdin. Ah, c'est pour ça qu'elle répond pas à Belinda. Elle est ben pas non, là. Elle est pas là, Belinda. Il parle très bien français, vous parlez plusieurs langues d'ailleurs. Hein. Oui, oui, tout à fait. Combien oui. de langues vous parlez? Je parle couramment 3 langues et je me débrouille en 2 autres. Voilà, sans les avoir vraiment apprises à l'école en plus. Sans les vraiment les avoir apprises à l'école. Ouais. En plus, à l'école, je les ai désappris. Donc, voilà. Bien, alors Frédéric Bourdin, la liste de vos exploits est longue, mais le plus extraordinaire, c'est sans doute d'avoir réussi à tromper une famille américaine en prenant la place de son enfant disparu. On y viendra tout à l'heure dans le cours de votre vie. Le livre commence par une histoire du même type d'ailleurs. Vous êtes à Calais le 21 février 2004 et vous voulez frapper un grand coup. Vous vous branchez sur un site internet consacré aux enfants disparus et là, Frédéric, vous trouvez la photo d'un enfant de 6 ans et demi, un Léo Ballet, disparu en 1996, soit 8 ans plus tôt. Vous appelez le numéro d'urgence avec la voix d'un adolescent de 14 ans et vous expliquez que vous êtes
ce Léo Ballet disparu en 1996. Voilà. Vous expliquez que vous venez d'échapper au ravisseur, une famille de pédophiles du nord de la France. Vous expliquez que vous voulez retourner sur les lieux de l'événement et arriver sur place. Vous appelez les gendarmes. Vous dites avoir vu deux adolescents se disputer au bord de la route et l'un d'eux était Léo Ballet. Voilà. Donc voilà un peu comment vous fonctionnez. Oui. Ouais. Drôle de bonhomme quand vous même. Vous l'avez très bien résumé, oui. Ouais. Pourquoi vous faites ça au départ? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi à un moment vous décidez d'appeler en disant voilà, je suis Léo Ballet, j'ai échappé à mes ravisseurs et vous emmenez finalement les gendarmes sur une fausse piste puisque bien évidemment, il n'y a plus rien sur les lieux de l'enlèvement. Pourquoi? Au départ, qu'est-ce qui vous motive pour faire ça, Frédéric? Le besoin d'affection, le besoin d'amour, le besoin d'exister, le besoin de ne pas être seul. Tous ces besoins-là, les besoins qu'un être humain a besoin pour survivre. Et c'est vrai que je me donne tous les moyens qui sont mis à ma disposition pour pouvoir le faire. Ouais. Et je ne recule devant rien. Il y a une autre solution, c'est de faire animateur télé. Ouais. Les gens vous aiment bien aussi. Mais pas ça part tous. Du même sentiment. Hey, pas tous. Pas tous. Pas alors, tous. J'ai eu beaucoup d'emails de gens qui nous détestent. Hein. Alors, quand les gendarmes arrivent donc dans l'Isère, à l'endroit où a disparu ce Léo Ballet, vous dites « je suis Léo », c'est-à-dire que là, vous continuez l'imposture jusqu'au bout, vous dites « je suis Léo » et il faudra un test ADN pour démontrer définitivement que vous n'êtes pas Léo parce que vous avez une capacité de manipulation et de séduction aussi, il faut bien le dire, absolument extraordinaire, quoi. Je ne sais pas, je pense que les identités que j'ai prises et ce que je suis devenu, maintenant, ça fait presque un. Ouais. Je veux dire que la capacité de séduction, comme vous l'appelez, ou la capacité de manipulation, c'est avant tout ce qu'on a fait de moi. Ouais. Il n'est nulle mon intention de faire du mal à qui que ce soit. Le plus important pour moi, c'est que l'on m'aime. Et c'est tout. Je comprends très bien, Frédéric, mais quand le monsieur Ballet, le papa de Léo Ballet, on lui dit on a retrouvé votre fils, il a échappé à ses ravisseurs, cette famille pédophile du nord de la France. Il a un espoir, même si ça fait 8 ans qu'il n'a pas vu son fils. Et à ce moment-là, bon, on lui dit, bah non, finalement, c'était un imposteur, c'était Frédéric Bourdin. Vous mettez à la place, à ce moment-là, du papa de Léo Ballet? Quand la gendarmerie m'a trouvé, et qu'ils ont dans un premier temps dit, bon, c'est du 50-50, c'est peut-être Léo, c'est peut-être pas Léo, qu'ils m'ont ramené à la gendarmerie, ils n'ont appelé personne. Ouais. La seule personne qu'ils ont appelé, c'est un magistrat. Et il était hors de question de prévenir la famille avant d'être d'accord. Certain que j'étais Léo. D'accord. Donc là, vous n'avez pas fait de mal à la famille Ballet, en tous les cas. En aucun cas. En aucun cas. Donc vous êtes mis en prison à l'issue de cette affaire. Un expert est nommé qui dit qu'effectivement, dans votre personnalité, il y a des facteurs manipulateurs, séducteurs, pervers. Enfin, c'est exactement le film de Spielberg, quoi. Vous êtes capable de prendre comme ça des personnalités à l'envi. Parce que quand vous faites Léo Ballet, vous prenez une voix de 14 ans, quoi, alors que vous avez beaucoup plus, vous avez 30 ans. Ben, la voix que je prends, je pense qu'elle fait un petit peu moins de 14 ans. Ouais. Mais c'est vrai que l'intention, c'est de passer pour un adolescent. Parce que je sais ce que je peux faire et je sais ce que je ne peux pas faire. Il ne faut pas non plus sombrer dans le délire. Ouais. Maintenant, vis-à-vis de l'avis de l'expert, comme Christophe l'a dit dans son livre « Le déchiffreur d'âme », je crois qu'il est certainement plus pervers que moi. Oui. Vous en pensez quoi, Christophe? Bah, je pense que, objectivement, c'est un peu compliqué de prétendre déchiffrer l'âme de quelqu'un au cours d'un interrogatoire de 2 heures dans une pièce gardée par des gendarmes. Moi, ce qui m'a lancé dans cette enquête, c'est d'abord la curiosité. Lorsqu'effectivement j'ai pris connaissance de cette affaire de Grenoble, la curiosité, d'abord. Et ensuite, c'est comme une énigme à résoudre, parce que dans les premiers comptes rendus de la presse, tout est très simplifié. En gros, on explique que cet homme de 30 ans a voulu prendre la place d'un enfant de 14 ans. Et en réalité, quand on enquête, qu'on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas aussi simple. Frédéric Bourdin n'a jamais réellement voulu prendre la place de cet enfant. Parce qu'il est trop intelligent pour ça. Il sait très bien qu'il va prendre, il va pas tromper les parents. Pourquoi vous lui avez fait confiance à lui?
D'abord, j'avais besoin de faire confiance à quelqu'un. J'ai toujours eu besoin de faire confiance à quelqu'un parce qu'être seul, c'est pas facile. Ouais. Surtout quand on l'est depuis longtemps. Donc c'est vrai que j'ai toujours voulu m'ouvrir aux autres et j'ai toujours voulu m'expliquer, j'ai toujours voulu qu'on me comprenne. Lui m'offrait la possibilité, je vais vous dire, hein, quand il m'a parlé du livre la première fois, j'y ai pas trop cru. Ouais. Ceci dit, il m'a posé des questions, je lui ai répondu. Et dans la lettre qui m'est parvenue ensuite, dans sa nouvelle réponse, les recherches qu'il avait déjà commencé à faire m'avaient vraiment épaté, étant donné que c'était des détails que même moi, j'aurais pas réussi à retrouver. Ouais. Donc, c'est un mec sérieux, quoi. Non seulement ouais. sérieux, mais d'une très grande qualité professionnelle. Ouais. En tous les cas, pour le moment, Frédéric, vous êtes en liberté après 4 mois de détention préventive. Alors, vous êtes en liberté sous contrôle judiciaire jusqu'au procès qui aura lieu fin 2005, donc dans quelques mois. Est-ce que vous savez ce que vous risquez pour... Je vais très certainement retourner en prison si jamais je vais au procès. Ouais. Je pourrais même y retourner n'importe quand en prison, étant donné que je ne respecte pas mon contrôle judiciaire de façon volontaire et délibérée. Parce que bon, ça épatera peut-être la foule, mais je n'ai pas un travail, je n'ai pas de syndicat, on ne me paye pas pour venir pointer au commissariat de Paris, et les tickets de train, ça coûte cher. Ouais. Et donc je ne peux pas répondre aux obligations de Grenoble, et je ne me fatigue pas trop non plus pour pouvoir. Ouais. J'ai une vie à mener à côté de ça, qui est évidemment continuer à me faire placer dans des foyers. Donc, pour répondre à votre question, oui, le jour où les gendarmes m'attraperont encore, ça sera sans doute pour me remettre en prison. Ouais. Ça ne vous dérange pas de retourner en prison ? Non, pas du tout. Mais tu risques combien de temps la peine maximum que tu risques ? Si le procureur se débrouille assez bien, j'ai tout à fait confiance en lui, je suis sûr qu'il peut me donner 3 ans, s'il veut. 3 ans. Alors, quand on vous demande pourquoi vous faites tout ça, vous dites pour devenir célèbre. Et quand on vous demande pourquoi vous voulez devenir célèbre, vous dites parce qu'à ce moment-là, j'en profiterai pour faire des choses bien. Vous ferez quoi quand... Ça serait mon rêve. Je veux dire, si je pouvais devenir comme Michael Jackson, eh ben, j'investirais... Toujours la prison, hein. Vous n'avez pas un meilleur exemple, Frédéric, non? Eh ben, il faut dire, monsieur Radisson, que... Thierry, pardon, que c'est mon idole. Ah ouais. Donc, même malgré les accusations de pédophilie qui sont portées contre lui, oui, qui sont... j'ai eu aussi des suspicions vis-à-vis de moi-même comme quoi j'étais pédophile. Moi, je sais qu'il n'est pas pédophile. D'accord. Je n'y crois pas. Ouais. Et quoi qu'on en dise, je ne changerai pas vis-à-vis de ça. Maintenant, pour faire des choses de bien, j'ai compris malheureusement que dans cette société, avant tout, il faut de l'argent, il faut de l'appui. Je ne suis pas du genre mendiant ou demander quoi que ce soit à qui que ce soit, mais il est vrai que bon, j'ai certains talents et je rêve toujours dans mon petit monde à moi qu'un jour quelqu'un les remarquera et que je pourrais devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de... Quel talent ? La chanson, le... Je suis un très bon danseur, je sais parler, je sais... C'est vrai qu'il y a des danseurs qui savent parler, on en cherche. Il y en a assez peu. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que je sais m'exprimer, je sais défendre mes points de vue. Très fort, il a 139 de quotient intellectuel et tout, il a berné la terre entière. En attendant, vous avez quand même passé la moitié de votre vie d'adulte derrière les barreaux. La moitié de ma vie adulte, oui. Comme quoi le temps passe vite. Mais vous me direz, j'ai pas raté beaucoup de matchs de foot. Ouais. Donc c'était assez plaisant. Mais... Ça vous dérange pas tant que ça, finalement ? C'est un sacrifice. Mmh. À partir du moment où moi, je choisis de façon volontaire, en sachant parfaitement ce que je fais, de me faire passer pour un mineur, c'est-à-dire à mentir à des officiers de police, à des gendarmes, à la loi, afin de me faire placer dans un foyer avec des gens qui s'occupent de mineurs et avec des mineurs, ou dans des familles d'accueil, pour que l'on m'aime et qu'on s'occupe de moi, je me rends compte que je ne respecte pas la loi. Ouais. Comment ils appellent ça, quoi, outrage à magistrat, outrage à agent de la force de l'ordre, et donc je suis condamné à de la prison. Ouais. Mais si c'est le prix pour être un peu aimé et pour être dans un endroit où on va m'aimer quelque temps, si jamais je dois faire de la prison pour ça, et ben je suis prêt à le faire toute ma vie. Justement. C'est vrai qu'au départ, vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Vous dites « je déteste ma famille » et c'est vrai que vous n'avez pas été beaucoup aimé, il faut bien le dire, Frédéric Bourdin. Vous naissez en 1974 d'un père inconnu, en fait un ouvrier algérien, mais ça vous l'apprenez seulement quand vous avez 8 ans. Ce père en fait était d'ailleurs déjà marié, il avait 3 enfants en Algérie. Et vous naissez malgré l'opposition de votre grand-père maternel,
qui suggère fortement à votre mère de se faire avorter. Donc vous tirez de ça, cette espèce de naissance par accident d'une certaine façon, parce que vous avez échappé à cet avortement souhaité, vous en tirez un profond malaise. C'est toujours... ça m'a toujours manqué un père. Ouais. Ça m'aurait fait du bien d'avoir un père. Ouais. Ça m'aurait fait du bien d'avoir une famille tout court. Ouais. J'avais une grand-mère qui a fait du mieux qu'elle pouvait, ouais. La pauvre femme, mais elle n'était pas dans une situation très facile. Il y avait beaucoup de conflits familiaux avec ma mère, etc. Et oui, c'est vrai que c'était assez compliqué. Vous dites « on m'a menti depuis que je suis né ». Du plus longtemps auquel je me rappelle, j'ai toujours voulu savoir qui était mon père. Ouais. Donc évidemment, la chose la plus logique qui m'est passée par l'esprit, c'était de demander à ma mère. Alors il y en a qui vous disaient qu'il était grand, qu'il était élégant. Ça, c'était ma mère. Et il y en a d'autres qui vous disaient que c'était un petit gars un peu minable, quoi. Vous n'avez jamais voilà. Su vraiment. Je me dis que c'était, pour que je sois assez optimiste, ouais. Un mélange des deux. Ouais. Hein. Je pourrais me contenter. Ouais. Mais moi, je m'en serais foutu qu'il soit petit et minable. Mmh. Je m'en foutrais qu'il soit laid, qu'il ait trois oreilles et quatre pieds. Moi, ça m'aurait intéressé d'avoir un père. Ouais. Quoi qu'il soit. Alors voilà, vous avez été séparé de votre mère à l'âge de 2 ans. Quand vous dites que votre mère vous frappait et que c'est pour ça que vous avez été séparé d'elle, est-ce que vous dites la vérité ou est-ce que vous mentez, Frédéric ? Je ne dis pas qu'elle me frappait, c'est pour ça que j'ai été séparé d'elle. Je dis qu'elle me frappait, oui. Maintenant, ils m'ont séparé d'elle parce que, apparemment, elle ne s'occupait pas de moi. Mmh. Moi, je dis que j'aurais préféré, par moment, qu'elle ne s'occupe pas de moi. Ma mère aimait frapper son bébé, aimait frapper son enfant, son petit garçon, pour le plaisir de pouvoir le réconforter une fois qu'il pleurait. Le consoler. Oui. Mmh. Je ne lui en veux pas. Je l'aime parce que c'est ma mère. Je la respecte, je suis désolé pour elle, je ne pourrai jamais me réconcilier avec elle, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que elle est comme ça. Ouais. Mais voilà, c'est une personne qui a été malade toute sa vie, malade d'amour, ouais. Comme quoi ça... Oui, parce qu'après votre père, elle se remet avec un autre homme, et là c'est pire que tout, c'est-à-dire qu'il la bat, enfin il termine en prison, etc. Sur le fait que sa mère battait Frédéric, est-ce que vous confirmez, vous ? Moi je ne peux pas le confirmer. Ouais. Ce que je sais, et ça fait aussi partie de... quand Frédéric dit qu'il est né dans le mensonge, moi ce que je sais c'est qu'il y a 3 versions différentes. Ouais. Il y a la version de Frédéric, la version de sa mère, et la version de son grand-père, puisque c'est le seul vivant de ses deux grands-parents. Son grand-père dit qu'on l'a retiré à sa mère parce que sa mère préférait sortir en boîte de nuit plutôt que de s'occuper de son fils. Ouais. Sa mère dit qu'on lui a retiré son enfant parce que ses propres parents voulaient récupérer les allocations familiales. Ouais. Et Frédéric dit qu'on l'a retiré à sa mère. Enfin, lui, il ne peut pas savoir les raisons pour lesquelles on l'a fait puisqu'il avait 2 ans. Son témoignage à lui, c'est de dire que sa mère avait un comportement cruel à son égard. Ouais. On aurait pu éventuellement départager et découvrir la vérité si le dossier de Frédéric était encore disponible, hein, mais il a disparu. Ouais. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'il a été séparé de sa mère à l'âge de 2 ans et que c'est pas facile, c'est sûr. Alors vous partez avec votre grand-mère en Vendée et là vous commencez à inventer des histoires invraisemblables, enfin invraisemblables, on sait rien, mais par exemple vous parlez d'un certain Michel de 23 ans qui pratique des attouchements sexuels sur vous, un simple d'esprit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une affabulation, Frédéric ? Je veux dire, j'ai dit la vérité vis-à-vis de ça. C'est la vérité ? Absolument. C'était un pédophile, il aimait les jeunes garçons. Je ne l'ai jamais vu avec un autre jeune garçon, mais avec ma propre expérience, j'ai appris à savoir qu'il aimait les jeunes garçons. Et voilà, quoi. Alors à l'époque, évidemment, vous êtes tellement malheureux que vous vous vengez de votre malheur sur vos animaux. Vous faites souffrir les animaux. Oui. Je torturais... je jouais au football avec mes cochons d'Inde. Eux, ils faisaient le ballon. C'est un vrai punk. À 12 ans, vous êtes mis dans un foyer de la banlieue de Nantes. Votre mère ne se bat pas beaucoup pour vous garder, il faut dire les choses. Et là, vous commencez, Frédéric, à vous réfugier dans votre monde imaginaire, un monde où vous êtes le seul maître à bord. Et finalement, cette façon de vivre dans ce monde parallèle devient chez vous une stratégie de survie. C'est la façon pour vous de continuer à pouvoir exister. Si vous êtes dans un monde et une société où tout le monde se fout de vous, que vous êtes seul, que la seule fois où vous avez raconté ce qui vous est arrivé, ben on vous a ri au nez, on vous a ignoré, on vous a traité de menteur, qu'on a pris les décisions qui étaient supposées être les meilleures pour vous et qu'une fois adulte, ben on se retrouve seul,
C'est vrai que mon monde que j'avais inventé à partir de l'âge de 12 ans, eh ben, il était vraiment très, très pratique. Ouais. Un monde où j'étais aimé, où j'étais jamais seul. Voilà. Un monde de rêve, en quelque sorte. Un monde de rêve, ouais. Alors que dans la vraie vie, dans ce foyer, vous êtes victime d'agressions sexuelles pendant 2 ans. Oui. Ouais. Alors ensuite, pendant 7 ans, vous allez sillonner la France, l'Europe, sous de fausses identités, de foyers pour mineurs en service psychiatrique, une espèce de fugue sans fin comme ça, c'est une espèce de suicide mental, d'une certaine façon. Je sais très bien ce que je fais. Ouais. Je sais très bien que ce que je fais est en train de me détruire petit peu à petit peu, parce que malheureusement, quand j'aurai 95 ans, je ne pourrai plus me faire passer pour un garçon de 15 ans. Ouais. Je sais malheureusement bien avant ça, c'est-à-dire je ne me donne plus beaucoup de temps. Ouais. Je suis assez pessimiste sur mon futur, mais assez réaliste, parce que ce n'est pas le fait de me décevoir et de savoir, je sais parfaitement ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ouais. Et je sais très bien que le futur pour les gens comme moi, enfin les gens qui sont en marge de la société, pas forcément comme moi, ne sont pas c'est pas vraiment joli ce qui leur arrive. C'est quoi le spectre ? C'est la rue ? Tu as fait ça pour échapper à la rue aussi ? Je ne serai jamais SDF, je ne serai jamais un clochard, je ne dormirai jamais dehors, à part sous une tente, je ne mendierai jamais de l'argent passant dans la rue, je me tuerai si je devais en arriver là. Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de vieillir, j'ai peur de me retrouver seul et que tout le monde s'en foute, de devoir faire des choses qui donneraient raison aux gens qui me jugent mal, aux gens qui ne me connaissent pas. Aux gens qui se disent, ce mec, c'est un pervers, peut-être qu'il veut être avec les gamins pour les tripoter, ou peut-être que s'il fait ça pour le fric, pour l'argent, toutes sortes d'imaginations ouais. stupides. Et je ne veux pas donner raison à ces gens-là, parce que ouais. je suis quelqu'un de bien, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un qui veut simplement être aimé, c'est tout. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous tende la main et qui vous prenne dans ses bras et qui vous aime tout simplement? J'ai vécu ça dans mon propre monde. 137 foyers, il a fait dans 9 pays différents. Pour vous, c'est la seule façon de pas sombrer dans la folie. Et en fait, vous recherchez les foyers parce que vous avez été privé d'enfance. Donc, c'est une façon de vous faire materner, effectivement. J'aimerais préciser que ce sont toujours des foyers de protection pour ouais. mineurs. Bien que ça m'arrive de tomber dans des foyers de délinquants. Ouais. Je ne vais jamais dans des foyers d'adultes. Et là, il se passe un truc absolument incroyable. Pour la première fois, vous prenez l'identité d'un adolescent porté disparu, donc comme vous le ferez plus tard avec le Léo Ballet dont je parlais en commençant. Le garçon s'appelle Nicolas B. Alors, il est blond, il a des tatouages, donc jusque-là ça va, les tatouages ça va, blond c'est facile, mais il a les yeux bleus. Et vous avez les yeux marrons. Des lentilles. Non, pas des lentilles, il n'a pas mis des lentilles. Il a expliqué, c'est là où il est un grand affabulateur, il a expliqué qu'en fait il avait les yeux bleus, mais qu'il a été kidnappé par des militaires américains pédophiles qui lui ont fait des... Non, mais c'est vrai, hein. J'y crois, moi, j'y crois. Non, mais les mecs, toi, t'y crois pas, mais les autres, ils ont cru. Non, mais ça coule. Et ils lui ont fait des injections pour le transformer, et ses yeux sont devenus marrons. Ça arrive, hein. C'est incroyable. Une imagination... Vous allez jusqu'à rencontrer la famille de ce Nicolas. Alors là, c'est très bizarre, hein, parce qu'en fait, on ne sait pas. Est-ce que la famille... le reconnaît comme le fils et le frère, est-ce qu'elle le reconnaît pas? Est-ce qu'elle le reconnaît parce qu'ils se sont débarrassés du vrai fils? Là, c'est très trouble tout ça. Hein. Vous me posez la question directement? À vous. Moi, je suis convaincu que la famille n'a jamais cru une seconde qu'il était Nicolas. Ouais. C'est clair. C'est clair dès la première minute. La sœur de Nicolas qui vient chercher Frédéric en Espagne sait qu'il n'est pas son frère. Les raisons pour lesquelles elle prend le risque, parce que c'est un risque qu'elle prend, de lui faire faire un passeport au nom de son frère ouais. et de le ramener avec elle aux États-Unis, là, on entre dans un roman policier, on va dire. Ouais. Un roman policier. Ce qui est très frappant, et ce qui, je veux dire, je mets au défi quiconque voit les images de l'arrivée de Frédéric Bourdin filmé, oui. à l'aéroport de San Antonio, accueilli par sa mère, je mets au défi quiconque de ne pas voir que c'est une mauvaise mise en scène. Ouais. Frédéric arrive le visage couvert avec une écharpe, une casquette enfoncée sur les yeux. Et la mère, qui n'avait pas vu son fils depuis 4 ans, qui le croyait peut-être sans doute mort depuis ouais. 4 ans, elle se dirige maladroitement vers lui, elle le prend dans ses bras une demi-seconde, et ensuite elle tourne le dos et elle s'en va. Ouais. Voilà. Alors pourquoi ont-ils fait semblant de croire que c'était leur fils à ce moment-là ?
Parce que la propre famille de Nicolas l'a assassiné. Ah oui. Oui. Voilà pourquoi. Oui. Et le fait que vous reveniez, finalement, ça les lavait de tout soupçon. Ça les arrangeait. Mais cet assassinat n'a jamais été prouvé. Non, il n'a jamais été prouvé. C'était pas convenu, on ne m'aurait pas donné 6 ans de prison si jamais ça avait été prouvé. Oui, alors vous prenez 6 ans de prison, hein, à cause de ça. Et là, vous vous glissez en prison dans la peau d'un Mexicain, parce que les Mexicains, dans cette prison, c'était vraiment eux les tauliers. Donc vous devenez plus Mexicain que les Mexicains, évidemment, grâce à votre capacité de caméléon, tel est le titre du livre. Et là, alors, vous faites même tatouer Oussama Ben Laden en arabe sur le torse, parce que ça vous donnait une valeur par rapport à tous ces gens-là qui, évidemment, détestent l'Amérique et les Américains. C'est pas non plus pour me donner une valeur, mais dans le sens que je déteste les Américains. Ouais. Il est clair, c'est pas les Américains en particulier, je veux dire, c'est pas Monsieur et Madame Wilson que je déteste, c'est le gouvernement. Donc vous restez 6 ans en prison quand même. J'ai été condamné à 5 ans et 11 mois de prison, et j'ai fait 5 ans et 8 mois, si je me trompe pas. Alors après vous revenez en France, mais vous n'arrivez pas à vivre comme tout le monde, vous regrettez même un peu le calme de la prison, où finalement vous aimez bien quand on vous organise un petit peu votre vie, non ? Je veux dire, la prison américaine ne me manquait pas particulièrement. Mais c'est vrai qu'en revenant en France, j'ai été gracié à Nice d'une peine antérieure, parce qu'ils avaient vu que j'avais déjà fait 6 ans de prison aux États-Unis. Et mon premier instinct, ça a été voilà, je me dis, bon, puisque tout le monde dit que je ne fonctionne pas normalement, et puisque tout le monde a une maison, un boulot, et des enfants, une famille, et je vais essayer de commencer à faire la même chose. Ouais. Et donc, j'ai été voir de la famille à Hoche, des cousins et des cousines que j'adore, avec leur maman que j'adore aussi. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont aidé, on a refait mes papiers, ils ont été très tolérants avec moi. J'adorais jouer à la PS2 et voilà. J'ai trouvé un travail, ils m'ont aidé aussi à trouver un petit appartement. Voilà. Sauf que j'ai tenu en tout pour le tout. Je suis arrivé là-bas au mois d'octobre et je suis reparti au mois de décembre. Ouais. Parce que une fois que j'étais dans ce petit appartement, il n'y avait rien. Ouais. Rien du tout. J'étais comme avant, tout seul, rien. Ouais. Je n'ai jamais eu aucune idée de comment me faire des amis, à part en changeant d'identité. Le soir, vous retrouviez seul chez vous, quoi. Oui, ça me fait bizarre de dire chez moi, parce que je ne considérais pas ça chez moi. Ouais. Ouais. C'est là que vous inventez l'histoire de Léo Ballet, dont on a parlé tout à l'heure. En fait, vous êtes seul dans une espèce de prison mentale que vous vous êtes construit à partir de vos souffrances d'enfance. C'est ce qui ressort de la lecture du livre, en tous les cas. Hein? Ouais. Je ne veux pas me vanter de souffrir plus que les autres. Mais ma souffrance à moi, c'est intolérable. Elle est permanente, cette souffrance ? La plupart des gens vivent et par moments survivent. Moi, je survis tout le temps et par moments je vis. Ouais. Voilà. Donc par moments, je me sens bien. Par moments, je me sens bien. Mais la majorité du temps, je suis trop occupé à me changer et à me préparer pour essayer de me sentir bien. Et c'est pas une vie. Ouais, je comprends ça. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous adapter à la réalité ou vous allez continuer dans cette voie ? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts ou au contraire vous dites c'est fini, je vais toute ma vie vivre comme ça ? Eh bien, le Frédéric Bourdin réaliste pourrait vous répondre j'ai jamais réussi, il n'y a aucune raison que je réussisse. Ouais. Maintenant, mon plus grand souhait à moi, c'est de réussir à changer de vie, de réussir à me transformer. Une fois pour toutes. Ouais. Mais c'est un rêve. Je veux dire, il y a des gens qui rêvent de tas de choses, de gagner au loto. Ouais. Moi, ce rêve-là, c'est pas plus réel que pour les gens qui disent « je vais gagner au loto ». Je sais pas comment. Je n'ai aucune idée comment. Et comme je suis pas malade d'après les psychiatres et les psychologues, j'en ai lu, j'en ai entendu des tas de gens et des tas de choses, eh bien, si personne ne me comprend, alors que c'est l'inverse, c'est moi qui ne comprends personne. Qu'est-ce qui peut m'aider ? Qu'est-ce qui peut me faire changer ? Je ne sais pas, je sais pas quoi faire. Vous êtes croyant ? Je suis très croyant. Mais je ne m'attache à aucune religion. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas musulman. Je crois en Dieu, c'est tout. Vous avez déjà été amoureux ? Oui. Ça n'a pas...
Ça n'a pas aidé? Ben, c'est très compliqué, à partir du moment où je connaîtrais une fille, de lui dire « Bon, ben, voilà, je m'appelle Frédéric Bourdin et j'ai été dans 137 foyers différents dans tous les pays d'Europe. » Les femmes peuvent avoir beaucoup de compassion. Oui, mais le problème avec les gens comme moi, c'est qu'il y a cette mentalité, comme vous dites, on m'appelle un menteur professionnel. Mmh. Alors que moi, ce que je défends, c'est que la seule chose que j'ai toujours menti, sur lesquelles j'ai toujours menti, c'est mon identité et mon âge. Je n'ai jamais menti vis-à-vis de mes sentiments. Ouais. Je ne suis pas capable de faire ça, parce que je me connais. Donc, j'ai peur. D'abord, je vous répète, je ne suis pas bon à me faire des amis, parce que je suis trop timide. Et deuxièmement, j'ai trop peur qu'à partir du moment où la personne se rend compte qu'elle a affaire à quelqu'un qui est quand même un petit peu connu maintenant, qu'elle pense que je suis le grand manipulateur qui va lui bouger l'esprit et qui va vouloir lui faire faire ce que je veux qu'elle fasse. Et c'est pas moi. Dites-moi, il y a un risque quand même avec tout ça. C'est que là, vous maîtrisez, là, ça va, vous êtes... Mais peut-être qu'un jour, vous allez moins bien arriver à maîtriser. Devenir fou. Être un de ces messieurs qu'on voit dans la rue, se parler tout seul. Ouais. Je crains énormément ça. Je crains énormément ça. Et là, vous êtes... Borderline, the on the brink, comme on dit en anglais, non, quoi ça va. Non, j'en suis pas encore là. Je suis encore capable, je crois, de me rendre compte de la réalité des choses. Ouais. Et il est vrai que si je me voyais sombrer, comme je vous dis, je préférerais le suicide. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Vous avez un chéquier? Non, je plaisante. Non, c'est... On me l'a retiré récemment parce que j'ai fait du cinéma, mais j'en ai un d'habitude. Non mais tu cherches pas du boulot, tu veux pas lancer un appel, tu... Le seul appel que je voudrais lancer éventuellement, c'est mes excuses à toute personne que j'ai jamais offensée, à qui j'ai fait du mal, c'est tout. Parce que ça n'a jamais été mon intention. Maintenant, ce qu'on peut faire pour m'aider, prier pour moi, c'est tout. Il y a une chose que tu pourrais faire, en tous les cas, c'est acteur. Parce que le boulot d'un acteur, c'est... J'adorerais ça. Ouais. Je pensais à ça tout à l'heure. Tu devrais essayer ça. Oui, j'adorerais ça, mais malheureusement, il faut connaître du monde. Ouais. Je ne connais pas grand monde. Mais là, tu en connais, ça y est. Oui. Il te connaît, en tous les cas. Je ne veux pas... Je pense que Dominique Besnard regarde l'émission. Oui. Ça peut l'intéresser. Ça peut l'intéresser. Ouais. En tous les cas, merci d'être venu témoigner aussi sincèrement. Merci. Ça s'appelle Le Caméléon, Christophe D'Antonio. C'est publié chez Patrick Robin Édition. J'accueille Béatrice Dalle et This is La Peste. Alors Béatrice Dalle, on ne vous présente plus. This is encore un peu. This is La Peste, c'était ça. Je pète des plombs, putain, je pète des plombs. Putain, je pète des plombs, mais je pète des plombs. Je tu m'as frappé, mon brassin. J'ai plus rien à faire, alors si son. Je pète des plombs, putain, je pète des plombs. Putain, je pète des plombs, mais je pète des plombs. J'ai plus rien à faire, alors si son. J'ai plus rien à faire, alors si son. Alors je cherche chercher, et que les keufs me traquent, v'là que les keufs me draguent, la go blague, me dit des trucs vagues, dis, tu sais que t'es un beau blague, non je t'assure sans dette, dès que je t'ai vu j'ai oublié mon mec. Je dis qui tu te moques, toi tu veux ma quéquette, tu veux que je te fuck, que je te pense plein de petites pépettes. This is La Peste, c'était ça, je pète les plombs. Une chanson qu'on a beaucoup passée dans cette émission, qui fait partie des sampleurs récurrents. Alors vous êtes tous les deux à l'affiche de Dans tes rêves, un film de Denis Thibault avec Alex Descaz, Vincent Elbaz, Jean-Pierre Cassel, Simon Abkarian, Léa Drucker, Édouard Montout, Firmin Richard, qui sort le 13 avril. Alors Dans tes rêves, c'est l'histoire de X, joué par Diziz, un rappeur prometteur qui tente de percer avec l'aide d'un coiffeur apprenti producteur et puis toute la bande du quartier, évidemment, malgré sa mère qui préférerait le voir travailler à la poste. Et c'est là que débarque Ava,
incarnée par vous, Béatrice, productrice d'un spectacle de hip-hop qui raconte l'histoire du hip-hop depuis les origines. Alors, X devient leader de la troupe, mais Soraya, sa petite amie, voit pas ça d'un bon œil. Elle aime pas tellement le milieu qu'il se met à fréquenter. Et puis, les voyous du quartier, emmenés par Vincent Elbaz, excellent d'ailleurs, font tout pour que rien ne marche. Voilà. Est-ce que c'est le premier film rap? Moi, je dirais non, mais bon. Moi aussi, je dirais non. Je dirais que le rap et le hip-hop, c'est la toile de fond, en fait. Ouais. Mais ça pourrait être un footballeur, un journaliste, un avocat. C'est juste le parcours initiatique de quelqu'un qui a un rêve et qui fait tout pour le concrétiser. C'est vrai. Ouais. T'es d'accord avec ça? Super d'accord, donc j'ai même pas besoin de parler, c'est cool. Vous entendez bien tous les deux? Ouais, vraiment. Magnifiquement bien. Hein? Elle est bien, hein? On dirait des patineurs artistiques tellement elle est beau. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Vous allez regarder votre caméra tous les deux en même temps. Ah, tu le fais pas, toi? Non, non. Ah non, j'en étais sûr. Quelle caméra? C'est la rebelle, c'est la rebelle. Non, je trouve naze à chaque fois que je vois tes invités faire ça. Je trouve ça bidon. Ouais. Non, non, avec elle, on n'y arrivera pas. Tu paries? Ah non. Tu paries? Non, je la connais. Ah, moi aussi, moi, je suis sûr. Ah, je te jure, il en fait. On n'y arrivera pas. Moi, je te chauffe exprès. Hein. Et c'est con que tu sois casé, il y avait un mec qui était pile poil pour toi. Bien. Alors, je trouve que c'est une vague à moi. C'est toi qui vas t'y coller, Diziz. Mais elle est où, la caméra? C'est celle qui a le rouge, c'est en face de toi. D'accord. Tu regardes bien, tu dis Magnéto Serge. Magnéto Serge. Patrick, tu vas aller chercher le pain? Je peux pas, je vais bosser, vas-y toi. Salut la compagnie. C'est quoi qu'on entend là? Bah il rappe lui, c'est un artiste. C'est notre musique. Rock party. Explicite. Shake your body. Rentre dans le trip. Rock party. B-boy, B-girl, c'est les bonnes hip-hop. Rendre hommage au Grandmaster Flash, Run DMC. Eh bien, je t'emmène, viens. Qu'est-ce que tu fous avec lui? À New York. T'as besoin de quelqu'un de solide avec toi. Hip-hop, ok. C'est notre musique. Pourquoi tu m'as pas appelé depuis 3 jours? Explicite. Pour l'instant, c'est la musique, je verrai plus tard. Je suis pas sûre de pouvoir m'habituer à ça. Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait, la pop star? Elle a du chagrin? C'est quoi ton petit numéro? J'y arriverai pas. Attends, attends, c'est quoi cette histoire là? Tu veux qu'on te retrouve Red dans la rue comme ton père? C'est ça que tu veux? Quoi qu'on fasse, la rue nous rattrape toujours. Quoi qu'on dise, on nous verra toujours, nous, toute cette culture, comme quelque chose d'inférieur. Mais moi, personne ne pourra m'empêcher de rêver. On me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Tu te prends pour qui dans tes rêves? Oublie dans tes rêves. On me disait dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu veux être. Voilà, dans tes rêves. Dans tes rêves de Denis Thibault. Sorti le 13 avril. C'est bien, hein? C'est bien. J'ai vu le film. J'étais très ému vers la fin. Ouais. Je vais pas dire pourquoi et comment, mais... Alors, il y a une bande-son énorme sous la direction de Cool Chen. Ça vous dérange pas, vous, de faire des films sous la direction de... Ça, je m'y attendais. Non, mais tu t'y attendais. Toutes les questions que tu as après, je crois que je les sais. Bon, on va voir, mais en tous les cas, comme toi... Non, pourquoi ça me dérangerait? Bah, je sais pas, parce que tu as quand même été le Jean-Claude de Joey Star pendant des années. Je sais. Et d'un seul coup, tu fais la bande-son du film avec... je dis pas que c'est son concurrent, parce que c'est pas le mot, mais non, enfin... Non, puis moi, ça m'aime tout le temps. Ça a été tellement un groupe incroyable. J'ai tellement aimé ce qu'ils faisaient l'un et l'autre que non, pas du tout. Et lui, tu crois pas que ça le dérange, non? Écoute, il m'en a pas parlé, il savait, on se voyait quand j'allais tourner, il le savait, hein, non? Ouais. Non, non. Il t'a rien dit? Non. Putain, il est fier, hein. Ah, bah, tu lui diras la prochaine fois. Bah, la prochaine fois qu'il vient, je dirais qu'il est fier et courageux, oui. Alors, il y a un single, c'est Dans tes rêves, par Diziz. Diziz, dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie dans tes rêves. Diziz, dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu veux être dans tes rêves, ouais, c'est ça. Dans tes rêves. Je vais être artiste dans tes rêves. Tu te prends pour qui dans tes rêves? Oublie dans tes rêves. On me disait dans tes rêves. Je vais être artiste dans tes rêves. Tu veux être quoi dans tes rêves? Ouais, c'est ça tes rêves. Et c'est D-I-S-I-I-Z-Z-Z. Un rap imagé au million pixels. La limite c'est le ciel. Tu sais de qui c'est? Je kiffe être artiste et mon rêve je l'ai tissé. Enfant métissé, petit cheveux frisés. D'ici c'est sérine, j'avais ce rêve dans ma visée. Des visions, des visages, de gens s'amusant. Des présages dans, je me disais t'auras ton rêve dans 10 ans. Aujourd'hui je me dis peu importe.
Dans tes rêves, extrait de la bande originale du film Dans tes rêves. Et à part ça, il y a des grands classiques comme, comme Le Message. The Grandmaster Flash. The Grandmaster Flash, etc. Enfin, c'est vraiment une bombe BO. Alors le problème, effectivement, pour le réalisateur Denis Thibault, c'était de savoir s'il prenait un vrai rappeur ou s'il prenait un comédien à qui on apprenait à faire du rap, quoi. Exactement. Et c'est un bon choix, tu t'en sors vachement bien, Diziz. Oh, merci. Non, non, c'est très bien. T'as tout lâché pour t'immerger dans le film, t'as quitté femme et enfant pour vivre dans le manque affectif du personnage. Tu t'es plongé là-dedans. Ouais, bah, moi quand je fais les choses, je les fais à fond. Ouais. Ce qui était dur pour moi, c'est qu'il fallait que j'oublie tout le côté confort et réussite, vu que je devais jouer le rôle d'un rappeur qui n'est pas connu et qui a faim. Et j'avais pris un peu de poids, donc j'ai perdu 17 kilos quand même pour ce rôle-là. Oui, oui. Avec t'as fait un entraînement coach. Sévère avec un coach et tout. Hein. Je dis comment j'ai fait ou... Vas-y. Ça t'intéresse? Ah oui, ça peut nous aider pour l'été, nous. Alors déjà, bon déjà, il faut manger... Enfin, moi, j'ai mangé que des haricots verts et du blanc de poulet. Ah ouais, non, arrête. Et j'ai bu des sachets genre Weight Watcher, là. Enfin, ah ouais, ouais. Genre t'as de trucs ça, comme ça, toi voilà. Ouais. T'as ouais. Truc des gonzesses, ça. Ouais, exactement, ouais. Et pendant le tournage, je me suis séparé comme... Tu dis, je te tutoie, bien sûr. Ah ouais, on va se tutoyer. Ouais, on va pas faire des... C'est plus sympa. Voilà. Ouais. Sympatoche. Je me suis séparé de femme à la fin et je suis allé dans un hôtel. Il m'avait proposé un assez bel hôtel et tout. Je lui ai dit non parce que... Enfin, voilà quoi. Non, mais c'est pour jamais faire ça. Mais si, parce que moi, tu vois... Moi, tu voulais te mettre dans la peau du personnage. Exactement. Bah oui, mais t'as raison, exactement. Bien sûr. Alors, t'es marié depuis l'âge de 22 ans. Et tu dis, je me voyais pas trop aller dans les coulisses avec les groupies, je suis pas trop sexe, drug and rock'n'roll. Non. Nous, tu dis, on a assisté à la redescente des idoles des enfants du rock. Mmh. Bah oui, moi par exemple, je me rappelle étant petit, je regardais les enfants du rock. Donc il y avait tout ce phénomène par exemple autour des groupes comme Depeche Mode ou comme INXS. Et puis après, 2-3 ans après, je voyais des reportages sur donc, le chanteur d'INXS, je crois qu'il s'est suicidé. Bah, oui. Donc moi j'ai dit bon... Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Ouais. Donc voilà. Mais je suis quand même fasciné par ces gens-là. Alors Béatrice, dans le film, vous êtes Ava, donc productrice. Finalement, pour vous, c'est un milieu que vous connaissez. Donc à travers Joey Starr, j'imagine que c'est des gens que vous avez beaucoup fréquentés, non? Oui. Oui, je peux dire que oui. Donc ce n'est pas un rôle de composition? Non, non, j'avais l'impression d'aller à la maison quoi, quand j'allais sur le tournage. De toute façon, vous n'aimez pas les rôles de composition? Non, c'est que je n'aime pas et je ne serais peut-être pas capable de toute façon, puis j'en ai pas le souhait. Non. Vous dites, j'aime pas me déguiser, j'aime pas mentir, je peux jouer que moi. Bah, je peux donner qu'est-ce que j'ai, je peux pas donner plus, quoi. Ouais. Alors, même si ça restreint, c'est pas grave, je m'en fous, bon. J'ai pas envie, c'est ça pas va. Grave. Ouais, ça va en plus. Parce qu'on dit toujours, vous avez pas de plan de carrière, etc. Bon, non, j'ai pas de plan de carrière. Quand on regarde les gens avec qui vous avez tourné, il y a quand même Anneke, Jim Jarmusch, Abel Ferrara, ça va, quoi. Hein. Eh ouais. C'est quand même assez cohérent. Ça encourage des branleuses, comme moi. Alors, sur le plan sentimental, vous avez pas de plan non plus. Non. C'est un peu au bonheur la chance. Au bonheur, la chance, ouais. Donc vous êtes séparé de notre ami Joey Starr. Ça fait longtemps, on est resté 10 ans ensemble. 10 ans. Et d'un seul coup? Non, pas d'un seul coup, bien sûr que non. Ah, c'était un étiolement progressif. Alors vous avez épousé un prisonnier. Ouais, j'ai pas choisi qu'il soit là, qu'est-ce que tu veux? C'est une histoire extraordinaire, ça fera un film magnifique. Mais c'est une histoire magnifique. Ah oui, c'est magnifique, il s'appelle... Il a 30 ans, et vous tourniez dans une prison... L'adaptation de Tête d'or, hein, une adaptation de Claudel dans l'univers carcéral. Vous jouez la princesse, lui il joue Tête d'or et vous tombez amoureux au premier regard. Quasiment, ouais. Et tu choisis pas, c'est comme ça, ouais. Ouais. Ça vous est tombé dessus comme ça? Ouais. Rien à faire. Vraiment, oui. Parce que il y a plein de gens qui trouvent ça très poétique. C'est quand même vachement hostile et c'est pas drôle d'aller voir quelqu'un en parloir, quoi. Ouais. D'avoir si peu la personne qu'on aime. Mais bon, c'est tellement enrichissant quand je suis avec lui que je me pose pas la question si c'était bien ou non. Ouais, c'est... Quelle chance. Vous y allez toutes les semaines? Ouais. Avec le linge? Non, ça c'est les conneries que tu vois dans la presse, que t'as non, lu non, dans non, les c'est mêmes c'est pas trucs. Des conneries qu'on voit dans la presse. Moi j'habite à Argentan et je prends le train le samedi matin avec des dames qui apportent le linge à leurs mecs qui sont à la prison d'Argentan. Ouais, donc... moi je suis loin, je suis à Paris, il est en Bretagne. Donc c'est pas vrai, t'apportes pas du linge? Si, des fois, Marc. Des fois? Si. Ouais. Il sort quand? Je sais pas. Ah ouais. Tu crois qu'il nous regarde, là? Oui, mais c'est sûr qu'il nous regarde. Bah, dis-lui quelque chose, s'il que te regarde. Que je l'aime, tellement, si ça. Regarde ta caméra, là. Tu veux pas regarder ta caméra pour dire Magnéto Serge, mais là, dis-lui un truc, merde. Mais vous allez pas couper, je viens de le dire. Si je recommence, je vais plus être sincère. Après, c'est avec lui, je vais avoir des problèmes, j'ai pas envie, je préfère en avoir ici, que là-bas. D'accord. Ah oui. Bien. T'as pas envie de le faire évader? Si tu savais déjà comment on est surveillé, je te jure que quand je vais y aller mardi prochain, mais même pas on va pouvoir se parler, c'est pas cool. Tu vas en hélico ou pas?
Tu sais, tu connais. Tu Nadine, connais. Bonjour. Ouais. Elle a tourné le film de Marlon Baghdadi, qui s'appelle La fille de l'air. C'est l'histoire de Nadine Vaujour qui fait évader son Jules avec un hélico. Bonne idée. Ouais, mais moi, mon cavale avec moi, il est mal barré quand même. Moi, je peux prendre toutes les décisions, même les plus périlleuses, quand ça ne concerne que moi. Ouais. Là, même rien que là, d'en parler, il y a un jugement, il y a des choses qui vont être faites, que c'est pas, je ne peux pas parler de cette manière-là. Quoi. Ça ne met pas que moi en jeu, les conséquences risquent d'être assez graves, quoi, donc c'est pas cool. Voilà. Mais non, c'est juste de l'amour, c'est pas du courage. Mais ça va ? Super bien, ouais. C'est bien d'aimer ? Oui, vraiment. Ouais ? Vraiment. C'est juste dommage d'avoir autant de complicité avec quelqu'un et que ce soit dans des... Ouais. Voilà, quoi. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse. J'ai plus rien à perdre, alors c'est son dos. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je... Alors, this is, est-ce que des fois, ça t'arrive de péter les plombs? Oui, bien sûr. Bon, on va faire une interview, je pète les plombs. This is, quelle phrase sur votre mère vous fait péter les plombs? Le fils de pute. Moi, si on me dit ça, ça part en... Tout de suite en baston. Ça part en couille direct. Eh bien, tu sais quoi? Fais attention, j'ai un stylo. Ça peut aussi rentrer dans un œil. Non, je rigole. Et toi, quelle insulte te fait péter les plombs? Bon, raclure de bidet. Ouais. Ouais. J'allais te le dire, c'est incroyable. Tu lis dans mes pensées. Quelle pratique amoureuse te fait péter les plombs? Je me rappelle avant, quand j'étais un peu plus jeune, on draguait pas sur Internet. Je vais passer pour un vieux là, mais bon, c'est pas grave. Laisse tomber. On draguait pas sur Internet, il n'y avait pas de portable, donc quand on donnait un rendez-vous, il fallait à tout prix être à l'heure. Et maintenant, c'est le fast flirt. Ouais. Moi, je vois mes petits frères, ils se rencontrent sur Internet, envoie-moi ta photo, t'es belle, dans leur tête, t'es bonne ou pas. Et voilà. T'es pas bonne, salut, et puis c'est ça va bien et tout. Voilà. Et j'ai même des potes qui mettent la photo d'un de leurs potes qui est plus beau gosse. Ouais. Et après, ils vont au rendez-vous, ils disent « Non, il n'a pas pu venir, tout ça. Bon. » Et les filles font pareil. Hein. Et les filles font pareil. Donc, je trouve que ça, c'est une pratique amoureuse qui me fait un peu péter les plombs. Voilà. Quel homme politique te fait péter les plombs? Franchement, je vais tirer sur une ambulance, même sur un corbillard, mais Hervé Guémard, il m'a fait péter les plombs. Non, franchement. Ouais. Ouais, il m'a vraiment mais fait c'est trop la classe, son flat, c'est énorme. 600 ouais. mètres carrés. Ouais, franchement, cool. Hein. Cool. Franchement, bien d'avoir un bowling chez soi. Ouais, bien. Bien. Ouais. Quelle injustice te fait péter les plombs? Bon là, ça va être relou. C'est l'injustice envers l'Afrique et une particulièrement. Moi, j'ai voulu investir en Afrique. Ouais. Ok. J'ai voulu faire une marque de vêtements que je ferai fabriquer là-bas parce qu'il y a beaucoup de couturiers. Ouais. Sauf que si je fais une marque de vêtements, donc un produit fini et que je veux l'exporter en France, je suis taxé à 70% parce qu'il y a des lois protectionnistes européennes et américaines qui empêchent d'exporter des produits finis d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Ils ont le droit de vendre leur café, mais pas de le torréfier et de le vendre. Ah ouais. Alors que c'est un des premiers importateurs de café. C'est dégueulasse, pour de vrai. Quel métier te ferait péter les plombs? Huissier de justice, je crois. Oh, c'est un beau métier. Tu sonnes chez la veuve et l'orphelin à 6h du matin. Attention, c'est le plus beau boulot d'enculé, quand même. Attends, total respect. Moi, c'est ça qui me... Ouais, quand on va sonner chez les gens, il n'y a plus rien à faire et tout, dégager quand même. Bon, j'imagine que... C'est pas que ça leur métier, mais moi je pourrais pas faire ça, ça me ferait vraiment trop mal au cœur. C'est des bâtards. Pour moi, hein, c'est des bâtards. Quelle chanteuse québécoise te fait péter les plombs? Toutes. Toutes. Je suis d'accord avec ça. Toutes. Quelle drogue te fait péter les plombs? Franchement, j'en ai jamais consommé. Donc. Un petit bédo. T'es une avec fois, nous allez. Là, t'es bon, pas chez... Bon, si, c'est vrai. Mais non, t'as déjà, vu, hein, ça m'a pas fait péter les plombs. Hein. Non, je me balance pas très moi-même. Je me balance moi-même. Ouais. Je l'ai déjà dit, je vais pas faire comme un melon. Juste un portable, on veut pas de couleur. Hein. Qu'est-ce qui te ferait péter les plombs là, maintenant? Tu me laisses ta place et que je te fasse une interview, moi. Vas-y. Ok, on va faire une interview. Interview bata. Non. on va faire la déjà view. Oui. D'accord. D'accord. Je peux faire
comme toi. Ouais, tu fais tout comme moi. Je me mets un peu d'air. Voilà. Comment tu te l'appelles? Ok. Alors, interview déjà vu. Faut que tu fasses. Ouais, ouais. Et je la fais à tous les deux en même temps? Si tu veux. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes déjà fait refouler de boîte? Non. Oui. Non. Même accompagné, tout ça. D'accord. Surtout accompagné. Surtout accompagné. Ok. Est-ce que vous êtes déjà fait contrôler 4 fois dans la même journée? Non. Si, pour le sida. La flippé grave, tu me rappelles. J'en ai encore deux, j'en ai encore deux. Est-ce que vous êtes déjà allé en garde à vue alors que vous étiez vraiment innocent? Ouais. D'accord. T'as fait de la garde à vue? Bien. Ouais, j'ai fait de la garde à vue, oui. Une fois j'étais innocent, une fois j'étais un peu moins innocent. Ça va, ta mère a retiré sa plainte, donc t'es bien, tu finis bien. On est une dernière. Non, non. Ils m'ont bien cassé les couilles. Une fois, un jour d'émission, ils sont venus me chercher le matin chez moi, ils sont arrivés à 6. Ils ont commencé à fouiller tout l'appartement. J'ai dit, attendez les mecs, j'ai vu jouer Serpico, vous n'allez pas me le faire à moi, vous n'allez pas planquer un truc quelque part. Ouais. Ouais, ils n'ont rien trouvé, ils m'ont quand même amené là-bas. Au début, ils me l'ont fait genre sympa, tu vois, un peu Starsky & Hutch et tout. J'ai dit, putain, les flics, c'est super sympa. Mm. Au bout d'un moment, ils sont devenus beaucoup moins sympas. C'est devenu Kafka. Et ils ont fait rentrer un mec, ça je m'en souviendrai toute ma vie, ils ont fait rentrer un mec à qui ils ont dit, Monsieur Ardisson, vous avez bien vendu de la drogue quand même. Oh. Le mec a dit, ouais. Alors là, ça m'a scié, tu vois. Ah, carrément. C'est-à-dire qu'ils ont joué avec un imposteur. Et Béliveau est sorti et tout, et on a tous embrassé Thierry. Et après, ils m'ont laissé filer. Mais tu vois, jusqu'où ils sont allés pour essayer de me mettre mal, quoi. Bref, on va pas tous les mettre dans le même sac parce que... Non, mais c'était pas sympa. C'est pas bon. Bah, dis-le sur ta caméra, dis-le. C'était pas sympa parce que j'avais une émission ce jour-là, voilà. Ouais. Quand tu en gardes à vue, ça a l'air beaucoup, hein. Ils s'en foutent, hein. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé... dans un hall en train de fumer un petit pétard et discuter, normal. Fumer un pétard? De refaire le monde, fumer si je gagne au loto, qu'est-ce que je ferais avec tout ça et tout. Tous les jours. D'accord. Une dernière. Et est-ce que vous aviez déjà, je sais pas, 2 euros dans la poche, vous êtes cotisé, vous êtes allé à Leader Price, pour ne pas les citer, vous avez acheté du blanc de dinde et du pain de mie. Jamais. Et vous avez fait un sandwich et vous avez mangé devant Leader Price comme ça? Non. D'accord. C'était l'interview déjà vu. Béatrice Dalle, vous êtes la dernière rebelle du cinéma français. On va faire une interview. Pas la dernière, la seule. Rebelle. Oh. Alors Béatrice, est-ce que la rebelle que vous êtes a voté Chirac en 2002? Mais j'ai jamais voté de ma vie. Est-ce que la rebelle que vous êtes trouve que quand même des fois le rap, ça manque un peu de mélodie quand même? Ah mais moi, moins il y a de la mélodie, plus j'aime. D'accord, oui. Est-ce que la rebelle que vous êtes rêve de gagner un César et d'y aller dans une magnifique robe Chanel? Non, absolument pas. Moi, je rêve des metteurs en scène à qui je tourne, donc... Ouais. Non. Est-ce que la rebelle que vous êtes trouve quand même que 6 dans un lit, c'est trop? Ah, moi, oui. Moi, oh là. Ouais. T'es dingue. Est-ce que la rebelle que vous êtes accepte des invitations en soirée people chez un portable à gagner? Ah non. Je te jure que non. Si tu voyais mon portable, tu me croirais. Un passe-partout? Non, non, je vais même pas aux soirées avec ou sans cadeau, donc... Est-ce que la rebelle que vous êtes refuse de sortir sans maquillage dans la rue? Ouais. Mais même chez moi, de toute façon. Est-ce que la rebelle que vous êtes trouve que c'est dégueulasse, finalement, ce qu'on dit sur elle dans la presse à scandale? Ben, en ce moment, ouais, vraiment. Ouais. En ce moment, ouais, où on m'accuse d'un truc, et Dieu sait si j'en ai fait des conneries, et c'est pas de que quoi, je savais pas. Ah, ben ouais. Bah, ben, y a plein de choses. Je savais pas. Ah, ouais, ouais, je suis encore dans la presse. On m'associe à un truc de drogue. Oui, c'est facile maintenant. Mais ils t'ont relâché tout de suite? Oui, mais surtout quand je suis convoquée alors que je suis pas dans l'histoire. Ouais. Ça va, avant, j'y étais, mais là, c'est pas le moment. Mm. Ça ne jette pas que moi en ce moment, et là, ça me dérange vraiment. Ouais, c'est l'histoire du fils de Richard Anthony, ouais, là. Ouais, que je connais, j'ai jamais vu ce mec de ma vie. Ouais. Mais t'as vu Richard Anthony, quand même? Même pas, dis-moi. Quand j'entends le train... Ouais, c'est rigolo, mais là, c'est pas rigolo, parce que pour moi, là, en ce moment, c'est une galère. Mais laisse tomber, t'ont relâché. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Je veux bien aller tout le... Enfin, non, j'exagère, j'ai pas envie d'y aller non plus, regarde à vue. Mais là, c'est une galère, pour ce qui se passe dans ma vie en ce moment, c'est vraiment une galère. Mmh. Est-ce que la rebelle que vous êtes appelle de temps en temps Claude Berry pour savoir s'il a pas un petit rôle? Ah, jamais, j'appelle personne. Jamais, pour... Non, je demande rien à personne. Une vraie rebelle, alors, hein. Non, mais je demande rien à personne, absolument. Ça me gênerait trop, je suis timide, malgré ce qu'on pense. Est-ce que la rebelle que vous êtes dit-tu à Michel Drucker? Mais je ne suis jamais allée à son émission.
Ah bon? Non. Ça te plairait? Non, on a proposé. C'est que c'est un pote à moi, c'est que. Non, j'ai pas envie. On est très amis avec Michel. Non, j'ai pas envie. J'ai on fait pas envie des prime time tous les deux. Écoute-moi une seconde. Parce que quand 37.2, on lui a fait une projection 37.2 qu'il a trouvé film mortel, mais qu'il a invité des gens qui étaient connus, alors que c'est là qu'on en avait besoin. Ouais. Maintenant, moi, j'en ai pas besoin. Est-ce que la rebelle que vous êtes aimerait faire un carton au cinéma pour s'acheter un appartement dans le Marais? Pour m'acheter un appartement, non, non, je veux faire un carton cinéma s'il filmait bien, pas pour un. Ouais. Non. Est-ce que la rebelle que vous êtes accepte des invitations dans les défilés de haute couture? Des fois, rarement. Est-ce que la rebelle que vous êtes aimerait avoir un enfant et l'appeler Emma? Non, là, Zarqawi, je l'appellerais. Zarqawi, c'est pas c'est mal. C'est mignon pour une fille. C'est joli pour une fille. On n'y pense pas, on est con. Zarqawi, range tes jouets. Zarqawi dalle au tableau, personne n'est gauche. Très bien. Est-ce que la rebelle que vous êtes essaie d'arrêter de fumer les cigarettes? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Bah de non, boire. On l'a bien vu. Je bois pas. De se droguer, non? Non plus. Voilà. Est-ce que la rebelle que vous êtes interdira la drogue à ses enfants? Oui, bien sûr. Évidemment, comme tous les parents qui ont fait les cons, mais je vais être un dictateur, moi, c'est sûr. Est-ce que la rebelle que vous êtes surveille sa ligne un peu comme Diziz? Non, ça se voit, non? Ouais. Oh, ça va, là. Ouais. Bah, t'as des beaux seins, t'as toujours eu des beaux seins. Oh là, oh là, oh là. Hop, 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 bijou. Attention. Attention, tu peux avoir un problème en sortant. Est-ce que la rebelle que vous êtes a une mutuelle, une assurance retraite complémentaire? Non. À la MAF. Donc le mot, ça me fait flipper, non. Est-ce que la rebelle que vous êtes se méfie un peu des jeunes qui traînent en bas de chez elle, quand même? Ah, surtout pas. Surtout pas. Tu leur donnes pas le code, quand même. Ah, c'est moi qui traîne en bas de chez moi qui les attends. Est-ce que la rebelle que vous êtes appelle les flics quand les voisins font trop de bruit? Non, mais jamais je les ai appelés. Je les appelle les voisins quand les flics débarquent. J'ai jamais appelé les flics de ma vie. Oh là là, j'en ai une terrible. Oh là là, la dis pas alors. Non? Si elle est terrible, la dis pas. Est-ce que la rebelle que vous êtes écoute Carla Bruni quand elle est seule chez elle? Non, ni seule ni accompagnée. D'accord. Non. Vous êtes pas. Je suis pas quoi? Fan de Carla Bruni? Non. C'est bien ce qu'elle chante. J'ai la guitare qui me démange. Avec qui je confonds? Est-ce que la rebelle que vous êtes fait la queue à la boulangerie comme tout le monde? Retire boulangerie. Je fais pain souvent, donc je fais jamais les courses. Est-ce que la rebelle que vous êtes est vaccinée contre la grippe? Mais pas contre la rage, en tout cas. Ah, bonne réponse. Est-ce que la rebelle que vous êtes fait son repassage elle-même? Non, mais je fais rien moi-même. Rien du tout? Non, non. Non. Est-ce que la rebelle que vous êtes va aller sur toutes les chaînes pour faire la promo de ce film? Non, là, on a encore un truc à faire, je crois. Et c'est... Voilà. Et voilà. Deniso, j'aime bien, donc c'est cool. Ça va? Ouais. Pas trop pénible? Ah, lui, non, vraiment pas, ça va. Ouais. Si lui, c'est non, pénible, j'y vais pas. Non, bah, lui, j'ai fait un... Non, ouais, on a fait un super pénible avant. Ouais. On s'est fait chier, vous savez même pas comment. Donc ça... Non. Il est sympa, le PDA. Il m'invite plus, lui. Ah bon? C'est marrant. Ah, tu connais ça? Ouais. Ah ouais. Ouais. Vous êtes libéré de prison. Vous prenez la place de Baffy pendant 5 minutes et devez faire des vannes à sa place. Ah non, je sais pas faire ça. Non, une autre carte. Ah. Attends, je vais la choisir. On va vous dire du mal de coup. Vous devez choisir votre carte. T'as choisi sa carte, attends, elle est géniale. C'est une vraie rebelle, n'empêche. Vous devez changer votre personnalité avec votre voisin de gauche pendant une minute, mais c'est mon ami. Ouais. Je peux faire un tarot si tu veux, on va. Ça, je veux pas. Non, je les aime pas, les questions. C'est bien. Ça, tu veux pas faire ça, par exemple? C'est quoi? Non. Non? Non, 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 s'il me parle mal, ouais, mais s'il me parle pas mal, non. D'accord. Bon, d'accord. Non, je les aime pas, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Oh! Ah ben je m'en fous. Vous l'aurez pas comme ça. Comment tu l'as eu toi? Avec mon cœur. Ouais. Ça va tomber sur toi, Diziz. Ouais, d'accord. Quoi, deuxième carte? La main gauche. Attention à ce que tu me donnes. Hein. C'est quoi? Vous devez finir l'émission avec une grosse moustache. Quoi? Oh, une moustache! Une moustache! Talenté acteur! Ah ouais? Y'a pas de problème! On fera l'émission alors!
Non, juste pendant un petit moment. Un petit moment, ok. Un petit moment. D'accord. Regarde, comme ça te va bien. Regarde Michel Blanc, Gérard Jugnot, c'est des carrières, tout bah ça. Ouais, les mecs. Sherlock Holmes. Elle te va très bien. S-I-I-Z-Z-Z, un rap imagé au million de pixels. La limite c'est le ciel, tu sais de qui c'est. Je kiffe être artiste et mon rêve, je le dis. C'est enfant petit, c'est petit, cheveux frisés. D'ici c'est Céline, j'avais ce rêve dans ma... Sinon... Ouais. Ah, Emmanuel Char. Emmanuel Char. Ouais. Emmanuel Char, ouais. Emmanueli. Emmanueli aussi. Et maintenant, d'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer. Voici Dominique Voynet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez repris votre couleur naturelle, là. Je ne sais plus exactement quelle est ma couleur naturelle, mais j'avais cru comprendre qu'on n'allait pas parler de ça ce soir. Ah bon? Voilà. On ne parle pas de vos cheveux? Non, on parle de l'Europe. Donc, je vais faire votre panégyrique. Alors, bachelière à 16 ans, mère à 19 ans, médecin anesthésiste à 23, ministre à 38. Très vous êtes grave. Une vraie militante. À l'âge de 13 ans, vous vendiez des gâteaux pour le tiers-monde. Hein. Vous avez toujours beaucoup milité. Et votre fille aînée, Marine, s'est révoltée contre ça en fondant, à l'âge de 15 ans, une ligue contre les parents militants. Moi, je crois qu'elle a eu une enfance un peu difficile, avec une mère qui est effectivement toujours tiraillée entre ce qu'elle croyait juste et ce qu'elle aurait dû faire, c'est-à-dire être plus présente avec sa môme. Vous l'avez un peu délaissée pour militer? Elle le dit. Aïe. Ah oui, c'est dur, hein. Ouais. Alors là, je suis en train de recommencer parce que ce soir, je devrais être avec la plus petite. Oh là là. Terrible, heureusement, hein. Il y a la DAS. La DAS. Alors, vous le trouvez comment, Yann Verling, le nouveau patron des Verts? Parce qu'il est venu ici. Moi, je lui fais tout à fait confiance pour incarner autrement un jeune parti politique qui intéresse quand même beaucoup de gens et surtout des plus jeunes. Non, sérieusement. Sérieusement. C'est dommage parce que... Vous l'avez rencontré? Oui, oui, il est venu ici. Bon, non, mais... On lui a fait l'interview sur la tête de ma mère. Non, on mais voilà. Vous avez bien fait. non, mais il vient ici. Il n'a pas une grosse expérience des médias. Ouais. Donc, il doit être un petit peu terrorisé encore. Et vous connaissant, vous ne l'avez pas mis forcément extrêmement à l'aise. Donc, c'est normal. Réinvitez-le dans 6 mois ou dans un an et vous verrez qu'il va prendre de la bouteille. Non, et qu'il sérieusement. Va... Sérieusement. Moi, j'ai dit que ça ce soir. Et ça marche très bien, hein, ça relance à chaque fois. Alors, ce recul que vous avez pris là, c'est une façon de prendre votre élan pour la présidentielle de 2007? Oui, vous allez dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Il y a des choses plus importantes à discuter ce soir, monsieur Ardisson. Voilà, vous allez me dire ça. Moi, j'ai un avantage énorme sur beaucoup d'autres. Ouais. C'est qu'à la différence de tous ceux qui ne rêvent qu'à ça, moi, j'ai prouvé très concrètement que je pouvais m'en passer. C'est vrai. Je pouvais passer mon tour. Donc, la dernière fois, tout le monde s'attendait à ce que j'y aille. J'ai su résister à cette tentation terrible, peut-être parce que je suis une fille, tout la simplement. La peur de gagner aussi. Voilà, la peur de gagner, sans doute. Donc, on verra. Mm. Mais c'est vrai que je pense que c'est important que les Verts existent dans la vie politique. Ça n'est pas forcément ma mère, ça n'est pas forcément quelqu'un qui est déjà connu, mais ce sera forcément quelqu'un qui incarnera quand même une façon de faire de la politique qui soit un peu fraîche par rapport à tous les candidats autodésignés qu'on entend déjà. Quoi. Je vous vois très bien, moi. Non, sérieusement. Voilà. Non, sérieusement, oui. Ça marche à chaque fois. Elle est géniale, cette Je vais vous prendre comme coach, puis on en discutera. Voilà. Alors, l'Europe, justement... L'Europe, surprise quand même au sein des Verts, les partisans du oui ont gagné avec une toute petite majorité, hein, 52,9. Oui, et même si on compte les abstentionnistes qu'on met de côté chez nous, parce qu'on compte, on fait tout différemment des autres, hein. Oui, voilà. On sait, oui. Ça fait une petite majorité de 56% contre... Ouais. Bon, on s'attendait à plus, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, bon, c'est assez en phase avec la société. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce traité, ce n'est pas un texte parfait. Parce que ce n'est pas un texte qui a été écrit par des gens de gauche, ce n'est pas un texte qui a été écrit par des écologistes. Donc, c'est vrai que... Il y a des choses excellentes et puis il y en a d'autres qui nous posent vraiment problème. D'une certaine façon, on est assez d'accord sur l'analyse du texte. Là où on diverge, c'est sur
J'irai trois questions finalement que tous les partisans du oui devraient poser à ceux qui aujourd'hui défendent le non. C'est-à-dire que est-ce que par rapport au traité de Nice, il y a un seul recul? Ouais. Moi, je ne crois pas. Est-ce que ce texte bloque une éventuelle évolution positive quand les conditions politiques sont réunies? Vous êtes l'exemple. Alors, vous êtes l'exemple. Vous parlez sérieusement, Laurent Baffie. Vous êtes l'exemple. Excusez-moi de vous le dire à tous les deux. Vous êtes l'exemple. Non, c'est lui, il m'a dissipé. Est-ce qu'on peut... Moi, je dis pas rien. Non, je suis désolé. Non. C'est comme à l'école. Non. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote. Je suis d'accord avec ça, mais est-ce qu'on peut écouter et faire ses obliques en même temps? Je pense que oui, personnellement. Franchement. Sincèrement, moi je suis quelqu'un qui vote, vraiment. Mmh. Et donc je vois en ce moment avec tout ce qu'il y a justement par rapport à voter pour oui ou non, je suis assez sans arrogance, intelligent, je comprends tout, mais je comprends pas vraiment pourquoi on doit voter. J'ai vu dans une autre émission, on devait envoyer un petit carnet avec qui expliquait la... Et je ne l'ai pas reçu et je ne comprends pas en fait. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Oui, c'est vrai. Et alors, si vous me laissez une minute trente pour faire le zouave, je suis pas chef. Laisse tes obliques, Laurent. Chiant pour les autres. C'est un bout de temps. Tu balances en plus. Tu devais être un gros faillot, toi. Non, attendez. Voilà. Tu étais au premier rang, toi, à l'école. Voilà, deux minutes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de Maastricht, Dominique Voynet était pour le non. Oui. Bon, aujourd'hui, elle est pour le oui. Oui. Mais donnons-lui 7 minutes 30 qu'elle réclame. Voilà. L'Union européenne, ça naît au départ avec 6 pays. D'accord. 6 pays qui se disent, si on décide de faire une Europe politique, ça ne marchera jamais. Si peu d'années après la guerre, ça va être difficile. Donc, ils créent une communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce n'est pas très ambitieux. Ça, je l'ai appris à l'école, voilà. Je m'en rappelle. Vous avez appris ça à l'école. Ouais. Et puis, petit à petit, d'autres pays rejoignent cette communauté qui acquièrent de nouvelles compétences, d'accord, qui deviennent de plus en plus fortes. Au fil du temps, des traités sont votés. Qui essaient d'avancer vers ce qui pourrait être une Europe politique. Ces traités sont plutôt mauvais. Ils sont assez libéraux. Ils affirment la liberté du commerce avant d'affirmer la citoyenneté, la dimension politique, la solidarité, les droits de la personne, etc. etc. Et petit à petit, on en met quand même un petit peu dedans. Et chaque traité est un peu moins pire que celui qui l'a précédé. Et alors, on a eu trois traités assez mauvais. Le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, le traité de Nice. Et aujourd'hui, on a un traité qui a été élaboré, non pas par des chefs d'État et de gouvernement, mais par la Convention. La Convention, c'est des députés, c'est des experts, c'est aussi de simples citoyens de tous les pays européens qui ont élaboré un projet de texte qui a été discuté après par les chefs d'État. Et la question qu'il faut se poser, c'est, on nous dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ce traité? Il fait 448 articles. Si vous voulez trouver un prétexte pour voter, non, vous trouvez. Ouais, hein, on peut tirer un bout d'alinéa pour dire que c'est vraiment dégueulasse. Oui, d'accord, hein, d'accord. Par contre, la question que vous posez, c'est est-ce que je suis pour qu'on garde Maastricht plus Amsterdam plus Nice? Est-ce que je peux vivre avec ça? Ou est-ce que je pense que les petits progrès qui sont dans le traité constitutionnel, ça va dans la bonne direction? Moi, je pense que ça va dans la bonne direction. Je ne demande à personne de lire les 448 articles. Ou alors, il faut faire pub. Ou alors, il faut lire ça avec. Parce que c'est un bouquin très complet qui compare avec les traités d'avant pour voir où sont les progrès. Ça veut dire que le type vraiment scrupuleux qui veut s'y mettre une semaine, il peut le faire. D'accord. C'est compliqué, mais il y a aussi des articles magnifiques. Vous voulez que je vous en dise un seul? Un seul. Ouais. Par exemple, l'Union européenne, c'est quoi ses missions? Ses missions, c'est d'assurer le plein emploi, le progrès social, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations, de contribuer à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, au commerce libre. Alors, c'est ça que les altermondialistes n'aiment pas. Libre et équitable, quand même. À l'élimination de la pauvreté, à la protection des droits de l'homme. On peut dire, c'est des paroles. Si on considère que ça, c'est des paroles, alors il faut considérer aussi comme des paroles qu'on peut surmonter les bouts de phrases liberté, qui nous intéressent moins. Liberté, égalité, fraternité, c'est des paroles aussi, bien mais sûr. Oui, mais oui, oui. Alors, le texte, il n'est pas de gauche. Le texte, il n'est pas de droite. Pourquoi? Parce que c'est un texte vraiment européen. Ça a été fait à 25. Et nous, les Français, on est vachement bien. On a toujours raison. Hein, sauf que les 24 autres, ils ont un gros défaut. Ils sont étrangers. Ils sont pas français. Ils n'ont pas les mêmes traditions politiques que nous. Ils n'ont pas la même culture que nous. Il y a des pays de droite, des pays de gauche, des pays qui vivent sous un régime de monarchie, des autres qui ont des républiques. Il y a des pays qui connaissent la démocratie depuis 2 siècles, puis d'autres qui l'ont redécouverte il y a 15 ans à peine. Et tous ces gens-là ensemble, on leur dit qu'il faut faire un texte commun. Oui, ce que vous voulez dire, Dominique, l'Europe, ce n'est pas une grande France, quoi. Les gens se sont dit ça va être comme la France en plus grand. Non, quand on est 25, on est obligé de discuter avec les autres. Quand on dit je veux que ce soit la France qui décide dans cette grande Europe, ça veut dire qu'on n'est pas pour l'Europe. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, très précis. Mais déjà, j'ai tout compris là, je suis content. Il a raison, parce que vous savez que personne n'y comprend rien. Quand la France, qui est le seul pays laïque, dit je veux qu'on inscrive la laïcité dans la Constitution,
les 24 autres hurlent. Enfin, il n'y a pas 24 qui hurlent, mais l'Italie hurle, l'Irlande hurle. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que font les gens de la Convention? Ils se disent, bon, il faut donner satisfaction ni totalement à la France, ni à la Pologne. Donc, on trouve une formule qui reconnaît les préoccupations des uns et des autres, mais qui surtout dit, c'est un domaine qui relève des États. En gros, ce que vous voulez dire, c'est que l'Europe, c'est comme une colocation, comme quand on vit avec des colocataires dans un appartement. Ben exactement. On est obligé de tenir compte un peu de tout alors, le monde. Alors, quand il y en a qui laisse traîner ses chaussettes sales par terre, on râle, on lui demande de ramasser, et on ne supporte c'est le pas. Quoi, on s'en et pas on ne supporte pas. Mais, non, mais c'est ça, l'Europe. Non, mais, c'est ça, l'Europe. Et on ne supporte pas, mais quand il s'agit seulement de savoir ce qu'on va manger, ben on mange à tour de rôle un peu ce que préfèrent les uns les autres. Ouais. Et qui va faire la vaisselle? Ça, c'est la question. Est-ce que vous avez été dissipé tout à l'heure? On va discuter, justement. Hop, l'autre oblique. Voilà. C'est bien, c'est bien. Alors, Dominique, la vraie question quand même, c'est est-ce qu'il fallait faire un référendum? Parce que vous voyez bien que c'est compliqué. Donc, en Allemagne, par exemple, il n'y a pas de référendum. Il y a plein de choses qui ont été décidées en France sans référendum. Est-ce que c'était la peine de faire un référendum? Parce que les gens, maintenant, au lieu d'aller voter pour ou contre l'Europe, ils vont voter pour ou contre Chirac, pour ou contre Raffarin. C'est un peu ridicule. Oui. Si on croit au Parlement, si on croit que c'est sérieux d'élire son député ou son sénateur, alors, on devrait admettre qu'un débat aussi compliqué devrait avoir lieu plus tôt au Parlement. Mais dans notre pays, on ne respecte pas tellement le Parlement, il ne se respecte pas toujours lui-même. D'abord, on a un régime où le président a un rôle énorme, et puis les députés et les sénateurs, ils ne sont souvent pas invités à discuter des choses importantes. Par exemple, la France, c'est le seul pays en Europe où on peut engager des soldats sans l'avis du Parlement. Hein, si on fait la guerre sur le territoire national, on doit demander l'avis du Parlement. Mais si on envoie des bataillons de soldats français à l'étranger, on peut le faire sans demander l'avis des parlementaires. Donc, devant un Parlement si faible, la tentation de tous les partis, ça a été de dire il faut valider par référendum. Et c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'il y a ceux qui diront zut à Chirac, il y a ceux qui diront une ras-le-bol de la casse sociale de Raffarin, il y a ceux qui disent j'ai peur des Turcs, il y a ceux et personne ne répondra à la question posée juste pour dire merde, finalement, au questionneur. Mais sauf que le questionneur, ce n'est pas Chirac. C'est les 25 pays européens qui nous attendent quand même. Donc moi ce que je voudrais c'est que effectivement les partisans du non regardent bien ce qui leur déplaît le plus. Et ce qui leur déplaît le plus, ça existe dans les textes européens depuis 30 ans déjà. Ce que vous dites c'est que ce traité il n'est pas si mauvais que ça finalement. Ce traité c'est une bonne base pour essayer de faire mieux le coup d'après. C'est-à-dire qu'on passe son temps depuis la création de l'Union européenne, tous les 4 ans en moyenne il y a un nouveau traité qui chaque fois fait franchir un petit seuil. Béatrice. Bah écoute, j'étais comme Cérine, je n'y avais rien compris. Bah oui. Là, je trouve ça super clair. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, j'ai dit que Pierre Lelouch était le dernier invité politique ici. Oui. En fait, c'est vous. À partir de la semaine prochaine, nous n'avons plus droit, dans cette émission, je ne parle pas de France 2, nous n'avons plus droit d'inviter d'hommes politiques pour parler avec nous de l'Europe. Voilà. C'est dommage parce que c'était intéressant. Je ne vais pas beaucoup aux émissions de fin de soirée. Oui, mais c'est celle-là où que les gens regardent. Mais en même temps, je me dis qu'il y en a marre aussi des meetings où ne viennent que les convaincus. C'est vrai. Donc moi, j'ai envie d'aller dans tous les endroits où on me proposera d'aller, où je toucherai des jeunes, des gens qui ne votent pas, des gens qui vivent en européen aussi. Oui. Parce que c'est une réalité pour plein de gens aujourd'hui. Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire. Va pas mourir de rire. Alors Dominique, on va vérifier à quel point vous êtes écolo. On va faire une interview écolo. Une espèce d'écolo test. Vous êtes venu comment ici, là, ce soir? En vélo? Transport en commun? Je suis venu en voiture. En voiture, bien. Par votre faute, parce que vous m'avez proposé une voiture de la prod, alors je ne sais pas. Sinon, la prochaine fois, on vous proposera un vélo de la prod. Voilà. Ouais. Non, mais soyons clairs. Oui, d'accord. Non, mais je suis connue au Sénat parce que je viens tous les jours en transport en commun. Mais je n'ai pas de mérite, j'ai une station de métro à 5 minutes de chez moi. D'accord. Vous faites quoi pour protéger la couche d'ozone? Pas de déo, déjà. Ouais. Ben, des déos sans gaz propulseur. Des déos sans gaz propulseur. Voilà. Voilà. Je circule assez peu en bagnole et puis je fume pas. Est-ce que vous triez vos poubelles? Oui. Oui, je trie mes poubelles. Et après, elle les jette dans la même. Non, je trie mes poubelles, mais ça m'agace un petit peu aussi cette espèce de politiquement correct qui consiste à dire seulement je trie mes poubelles, parce que en fait, il faut commencer par le début. Il faut commencer dans les magasins, regarder ce qu'on achète et pas acheter ce qui est suremballé, ce qui est emballé de façon complexe, ce qui ne peut pas être recyclé. Voilà. Voilà. Dominique, quand vous vous savonnez sous la douche, est-ce que vous coupez l'eau à ce moment-là? Mets la musique alors, mets la musique. Allez, mets la musique, allez. Imagine Dominique.
Non, c'est pas du tout pour ça, c'est pour savoir. Vous, quand vous vous savonnez. J'ai fabriqué les images, moi, je voyais la savonnette. Vous laissez couler l'eau, comment, qu'est-ce qui se passe? Voilà, écologiquement très incorrect, j'aime bien les bains et c'est pas bien. Aïe, 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 vous prenez des bains. Ouh. Et la présidence? Ouais, alors là, pour une connerie d'économie. À quoi ça tient quand même, hein? Comment vous vous débarrassez des piles usagées? C'est peut-être le geste élémentaire, quoi, le premier. Les huiles de vidange de la voiture. Oui. On n'ouvre pas le robinet dans le jardin en espérant que, d'accord? Et puis les piles. C'est les deux trucs les plus polluants, les plus dramatiques. Donc, c'est des catastrophes majeures. Disons que le Gaulois, qui en a marre de tout ça et qui ne veut pas faire d'efforts, il devrait faire au moins ça pour ne pas être un gros porc. Voilà. Est-ce que, par exemple, il vous arrive de porter plusieurs jours vos vêtements pour moins de lessive, qui est moins de phosphate? Et voilà. Alors, il y a plein de lessives sans phosphate. Il y a plein de lessives sans phosphate. On peut se salir. Donc, on peut concilier le plaisir et l'hygiène. Non. Dites-moi, Dominique, vous avez un manteau de fourrure chez vous? Bien sûr que non. Ah. Un petit en bas? Bien sûr que non. Non. Quand vous imprimez, vous servez du recto et du verso pour imprimer des deux côtés, pour user moins de papier? Non. Non. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre à disposition des enfants qui vont dessiner de l'eau. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous refusez de vous maquiller pour sauver des baleines? Disons que je ne suis pas comme Béatrice. Hein. Je n'ai pas de problème à l'idée de sortir sans maquillage. Au contraire, j'aime bien cette idée. Ouais. Mais je ne suis pas une intégriste, vous savez. Ouais. Apparemment, oui. Est-ce que vous vérifiez que vos aliments sont sans OGM? Oui. Je mange bio le plus souvent possible, mais là non plus, je ne suis pas intégriste. Parce que je pense que ce qui est important, c'est d'améliorer la qualité de l'alimentation pour tout le monde et pas uniquement pour ceux qui peuvent se payer des aliments bio. Dernière question, mais c'est la plus importante, Dominique Voynet. Est-ce que vous aimez les grandes écharpes tricotées à la main? Alors, je ne devrais pas vous raconter ça parce que monsieur va encore sortir une horreur dans la foulée. Mais quand j'étais adolescente, c'était la mode. Ouais. Des gilets de berger, des trucs en alpaga, des patogas. On a des photos. Hein. Des tentures violettes et du patchouli. Voilà. Voilà. Et j'ai gagné ma vie quand j'étais ado en tricotant pour une maison de couture qui faisait pour des bourges qui pouvaient se les payer, des trucs comme ça. Voilà. Au début, vous avez dit que vous avez commencé en militant, enfin pas en militant, mais en vendant. C'était quoi pour le tiers-monde? Des gâteaux pour le tiers-monde. D'accord. Je veux vraiment pas vous mettre en porte-à-faux, mais depuis, pour le tiers-monde, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que... Mais depuis que j'ai décidé de m'engager en politique... Ça me tient particulièrement à cœur. Voilà. Depuis que j'ai décidé de m'engager en politique... L'Afrique. Une des motivations de mon engagement politique, ça a été de me dire que je n'allais pas passer toute ma vie simplement à réparer les dégâts, mais que j'allais aussi contribuer à prendre les décisions en amont. D'accord. Parce que parier sur la générosité des gens, si on ne change pas la règle du jeu en amont, ça ne colle pas. Alors je donne un exemple et ça nous rapproche de l'Europe. Moi, je suis fatiguée de voir que dans mon pays, on passe son temps à défendre les retours de la politique agricole commune et l'argent de l'Europe pour nos agriculteurs, pour leur permettre d'exporter et pour leur permettre de détruire les agricultures paysannes en Afrique, par exemple. Et je me dis que ce serait assez logique, dans un pays aussi riche que le nôtre, qu'on fasse en sorte de démanteler ces subventions à l'exportation qui acculent à la misère des centaines de milliers, des millions de paysans en Afrique. Voilà, ça, et je préfère ça, qu'on change la règle du jeu plutôt que de vous faire croire que je vais aller faire des petits trucs associatifs sur le terrain. J'en fais aussi un petit peu, mais je le fais pour ma bonne conscience. C'est dans mon activité politique que j'ai l'impression d'être efficace et de changer la donne. Non, sérieusement. Merci de venir, très bien. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Je vais faire comme Béatrice, moi. Non, non, non. Non, mais c'est terrible. Attends, mais les femmes... Vous devez dégazer pendant les... Mais qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce... Ben voilà, j'en ai trouvé une super. C'est quoi? Voilà, la première. Vous avez vu la première du paquet que j'ai tiré. Je dois dire du mal de votre film ou livre ou disque. Et comme je ne suis pas venue faire de promo, je devrais avoir le droit de dire du mal... Une autre. ...du film, du livre ou du disque de quelqu'un d'autre. Ouais, mais comme vous n'oserez pas le faire... T'as vu mon film? Non, je ne l'ai pas vu.
Et d'après ce que j'ai compris, mais je serai aussi méchante que vous et que d'autres, il y a plein de gens qui sont dans mon cas, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est trop méchant. Tu réponds rien, toi. Non, je t'ordonne de couper ça au montage. Merci. J'accueille Frédéric Becbédé. Ça va bien, mais j'ai une réclamation. Vas-y. J'ai pas tellement aimé la musique de l'entrée. J'aurais préféré la musique là, un peu sexy là, qu'on entendait tout à l'heure. Tu veux le refaire? Ah oui, c'est ça. Refais-le, ça va bien. Merci, merci, sinon. Attention, ne bouge pas, Frédéric. Reste en haut des escaliers. Attention, j'accueille Frédéric Becbédé. Pas assez, non. C'est vachement mieux, excuse-moi. Oui, mais on me dit dans l'oreillette, pas un, pas assez sensuel. Deux, il n'a pas assez joué de la musique. Il joue non. Énorme. Non, c'est vrai, t'as raison. J'étais très, très, très en dessous. Il a été très sobre. On le refait. Voici Frédéric Becbédé. Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Frédéric Becbédé est un des deux auteurs les plus vendus à l'étranger. Et quand on te voit en France, c'est vrai, tu comprends pourquoi, c'est vrai que ça se remarque. Tu comprends pas. Pourquoi nul n'est prophète en son pays. Parce que les gens qui te voient là, voilà. Prennent pour un clown. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un écrivain devrait être chiant? Oui. Parce que voilà. C'est la règle. Oui, ouais, ben non. Alors, Frédéric Becbédé, écrivain. L'amour dure 3 ans, 99 francs, Windows on the World. Éditeur, vous êtes directeur littéraire chez Flammarion, critique littéraire, à Voici et à lire. Nightclubber, je crois qu'on peut le dire, le roi des nightclubbers. Frédéric est chez Castel depuis l'âge de 13 ans. Gros dragueur aussi, puisque comme l'amour dure 3 ans, vous êtes obligé de draguer sans arrêt. Non, pas du tout. Non. Je suis très timide et j'attends qu'on me viole collectivement. Voilà. Tout simplement. Toi, le temps passé me remplit de toi. N'avais besoin de personne. Ah, oh là, oh là, oh là. Ouais, attends, j'ai commencé par la chanson. Oh, Laura. Merci. Petit rien du tout. Je vois pas du tout le... Pourquoi le... cette chanson, comme c'est disait Johnny Hallyday? Oui. Pourquoi cette chanson, c'est vrai? Alors, DJ également, Frédéric Becbédé, puisque ce soir, c'est vous qui allez assurer le blind test. C'est pour moi vraiment, merci. C'est une promotion sociale. Ouais. Je voudrais dire, voilà, écrivain, c'est sympa, mais DJ, c'est quand même mieux. Et donc, je voudrais qu'on m'appelle MC Becbédé. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. MC Beg. MC Beg. MC Beg. MC Beg, c'est mieux. MC Beg. Donc, Frédéric Becbédé, c'est vrai que vous avez cette image, Frédéric, de dandy. Vous êtes surnommé vous-même Mondanitor, le José Bové du Flore, le Gramsci de la branchitude. Et vous dites, de toute façon, même si je me suicidais,
on dirait que c'est un coup marketing, quoi. Ben, c'est-à-dire que c'est bizarre, j'ai été victime du succès d'un livre qui critiquait ce système dans lequel nous vivons et que Dominique Voynet conteste également dans ses excès, qui est le système de la surconsommation matérialiste, capitaliste et publicitaire. Donc, c'était un livre satirique, très violent, et les gens m'ont pris pour le héros. Et depuis, évidemment, chaque fois que je dis quoi que ce soit de rebelle ou d'un peu révolté, je suis ridicule parce qu'en même temps, j'appartiens à ce système et j'adore ça. Voilà. Et non, je crois bien, que... c'est qu'à l'étranger, vous dites qu'à chaque fois que je vais à l'étranger, on me demande mon avis sur des sujets super importants. Je crois qu'ils me confondent avec Eric Emmanuel Schmitt. Oui, oui. Ouais. Mais, non, c'est assez agréable, tous ces voyages. Je reviens de... Parce qu'ils ne savent pas là-bas. Ils ne savent pas, ils m'ont pas vu me rouler par terre dans les boîtes. Et du coup, je suis hyper crédible et je peux presque tenir des propos aussi sérieux que ma voisine de droite, qui en réalité est de gauche. Oui. Voilà. Je confirme. Alors le problème, effectivement, c'est ce que je disais, c'est que cette image masque un vrai succès international. Vous êtes donc le romancier français le plus vendu dans le monde avec Houellebecq. Donc vous êtes deux finalement, ce qui n'est pas énorme pour un pays comme la France. Alors 99 francs a été traduit dans 25 pays. Mm-hmm. Windows on the World vient de recevoir en Angleterre le prix de The Independent, qui est le super prix, non ? C'est vraiment le truc, c'est une espèce de super concours anglais, quoi. Voilà. Mais fais pas le timide, Frédéric. C'est-à-dire, il y a le prix Nobel, bien sûr. Ouais. Moi, je suis juste en dessous, humblement. Très, très modestement. Alors, c'est un prix qui est remis par la reine Elisabeth, c'est incroyable. Et donc, Frédéric, vous recevez... Tu te cochonnes. Ouais, d'accord. Quand même. Excuse-moi. What did you say ? I don't get it. I'm sorry. Il fait son rafin. Donc, c'est incroyable ce prix, c'est énorme. C'est pas encore officiel, donc je demanderai à tous les gens qui ont vu l'émission de ne pas le répéter. D'accord, voilà. Ok, on regardera ça pour nous. Ça sera annoncé le 27 avril. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que Windows on the World donc, sort aux USA chez Miramax, qui est quand même pas rien. Miramax, c'est les frères Weinstein, hein, quand même. J'avais l'exemplaire. On l'a ici, d'ailleurs, il est très beau en Amérique. Je reconnais que les Américains, ils ont quand même ces hardcovers. Hein. Ouais. Non mais c'est incroyable ce qu'il écrit derrière. Et t'as pas vu le râteau qui s'est mangé. Râteau, horrible. Ouais, un double. Double râteau. Double râteau. Hey, en même temps, il est habitué, hein, parce qu'avant d'être célèbre, c'était tous les jours les râteaux. C'est ça, mais là, c'est là, même... Le succès l'a un peu embelli, mais les râteaux... Avant c'était Nicolas le jardinier, maintenant il se l'appelle. Windows on the World, donc publié chez Miramax, est déjà chroniqué par le Harper's Bazaar, le New York Times, le San Francisco Chronicle. Donc voilà, j'essaye de dire quand même une chose, c'est que Frédéric... Le Los Angeles Boom Boom. Je ne sais pas. Très bon article. Non, c'est vrai, nul n'est prophète en son pays, finalement. Ça a des explications, je veux dire, vraiment, moi, j'assume la responsabilité de mes actes, j'ai pas une biographie qui correspond au cliché et au stéréotype de l'écrivain modèle en France. Modeste non plus. Et c'est vrai que voilà, c'est Flaubert dans sa ferme, Marcel Proust dans sa chambre tapissée de liège. Ouais. Non, moi c'est plutôt voilà, la télé, les râteaux. Ne retourne pas. C'est un autre esprit. Mais attends, en 20 minutes, qu'elle oublie que tu l'as tenté, parce que là, sur la défensive encore. Oui, non, t'as raison, faut pas. Mais souvent, j'ai remarqué, tu annonces la couleur, tu prends un râteau. Et la fille, quelquefois, elle se dit « Oh zut !» Elle se met à regretter. Ouais. Pas tout le temps. Hein. Quelquefois. Pas tout le temps. Et là, tu sens du regret autour de toi ou pas ? Quelquefois. Elle se dit après, finalement, lui au moins, il a essayé, alors que les autres pas. Donc, mais non, je dis ça en l'air. Hein, T'es pour l'Europe ? Oui. J'ai signé la pétition du Parti Socialiste pour le oui. Bien sûr, c'est très très important. Mais non, mais on peut aussi avoir des idées tout en faisant le couillon, c'est bien possible. Entendu. Hein. Je pense que c'est très grave si les Français votent non et on aurait effectivement peut-être pas dû leur poser la question. Ah, assez con. disons que quelquefois, quand un sujet est trop complexe, le référendum n'est peut-être pas la priorité. Bien sûr. On n'avait pas le besoin. Le congrès réuni à Versailles. Faisons le pari maintenant que c'est fait, que les gens sont intelligents, qu'ils vont s'intéresser. Après, ils choisiront, mais non ? Comme ça m'est arrivé, on voyage beaucoup, notamment en Europe de l'Est et en Europe centrale. Ces gens-là sont fous de bonheur d'entrer dans l'Europe. Ils ne comprennent absolument pas qu'un pays aussi ancien et qui a une histoire aussi belle que le nôtre puisse
même envisager l'éventualité de refuser l'avenir, quoi, qui est l'Europe et après le monde. Ah oui, c'est vrai que vous êtes citoyen du monde, Frédéric. Je suis vice-président de la Fondation pour la démocratie planétaire. Voilà. Alors, vous publiez chez Grasset un nouveau livre. Tout à fait, Thierry. Qui s'appelle L'égoïste romantique. Donc, c'est le journal de votre hétéronyme, Oscar Dufresne. Voilà. Hétéronyme, ça veut dire un homonyme hétérosexuel. On est soit homonyme quand on aime les garçons, soit hétéronyme quand on aime les filles. Oui, c'est un homonyme avec un autre nom. Dominique a très bien résumé. Et c'est pratique parce que quand on veut parler de soi, le meilleur moyen, c'est de se déguiser, de mettre un masque. Et c'est ce que j'ai fait avec ce livre. Voilà. Voilà. Alors, vous dites, Oscar, c'est celui qu'on croit être Frédéric Becbédé. Et en fait, dans le livre, vous êtes plutôt Ludo, l'homme marié, que Oscar. Ouais. Oscar, c'est un peu votre rêve d'homme, d'une certaine façon. Oui, c'est un peu aussi le fantasme de tous les hommes de ma génération. C'est-à-dire, voilà, il est très cynique, très riche, célèbre, beaucoup de succès avec les femmes, assez lâche aussi, égoïste, obsédé sexuel, bien sûr. Un homme, quoi. Un type normal. Ouais. Somme toute. Hein? Et donc, c'est très défoulant et en même temps... très tragique comme destin, puisque au fond, ce type-là, il est paumé, il n'est pas heureux du tout. Et si on lit bien le livre, vraiment, attentivement, avec les sujets, les verbes, les compléments, on s'apercevra que c'est une tragédie. Alors, l'égoïste romantique, c'est un oxymoron. Oxymoron, c'est... La force tranquille, c'est un oxymoron. Deux mots qui ne vont pas ensemble. Deux termes un peu opposés, qui, je ne sais pas, comme un nain géant. Voilà. Un pléonasme, c'est l'inverse d'un pléonasme. Exact. Je suis pas d'accord, il y a un vrai débat sur les nains. J'aurais dû continuer l'école. Moi, j'ai compris l'Europe ce soir, mais j'ai rien compris. Si, c'est déjà pas mal, tu comprends un truc par soir. L'oxymoron, c'est l'inverse d'un pléonasme. Bien sûr. Donc un oxymoron, c'est la force tranquille, et vous dites, je suis un oxymoron sur pattes. Mais oui, parce que égoïste. Tout le monde l'est, peut-être, et de plus en plus, dans un monde d'individualisme, etc. Et en même temps, ça serait plus simple si on l'était vraiment. En réalité, on est également romantique. C'est-à-dire que vous dites, c'est, les hommes ne sont pas seulement guidés par le sexe, ça serait trop simple. Il y a les couilles aussi. C'est important, Thierry. Bien sûr, non. C'est pas ça qu'il veut dire, Laurent. Ce qu'il veut dire, c'est que Bridget Jones se trompe en pensant que les hommes ne sont mus que par le sexe, ça serait trop facile, évidemment. Il y a aussi toute une part romantique chez l'homme. Ce qui est beaucoup plus dangereux, d'ailleurs. Bien sûr, les hommes tombent amoureux, envoient des fleurs, écrivent des lettres d'amour, et c'est beaucoup plus douloureux. Ce serait plus simple si c'était que physique. Vous en déduisez, Frédéric Becbédé, l'impossibilité du couple, comme disait Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Donc, voilà. L'homme étant égoïste et romantique, le couple ne peut pas marcher. Voilà. Et d'autant moins dans une époque où tout a volé en éclats. C'est-à-dire que depuis les années 60, liberté sexuelle, contraception, divorce facilité, plus de famille, plus de religion, les 35 heures, le RMI, enfin bref, tout explique l'explosion du couple. Non, c'est vrai qu'il y a... Alors, à un moment, il dit « Je ne vois plus le couple comme une prison, mais comme un port d'attache. Ouais. » C'est peut-être ça la solution. Molo sur la prison. Moi, je suis un optimiste, je suis pour que ça marche. Et je suis un désastre ambulant qui va d'échec en échec. J'en suis absolument pas fier. Et Oscar... Il faut dire que tu as fait un livre qui t'a porté malheur au départ, c'est « L'amour dure 3 ans ». C'est une malédiction. C'est une malédiction que tu as maintenant. Ouais. Mais malheureusement, autour de moi, je déplore de vérifier très souvent la véracité seul, de ce titre. Ouais. Ouais. Alors, le problème de la génération Becbédé, effectivement, c'est qu'elle est nourrie de deuxième degré, d'autodérision. C'est l'époque des anti-héros, la fin des idéologies, la destruction des valeurs. Et c'est vrai, on voit bien, parce que le héros de son bouquin, Oscar Dufresne, quand même, il faut dire que son rêve absolu dans la vie, c'est de partir sur une île avec 3 mannequins à la chatte épilée, franchement. Est-ce que c'est un idéal imbécile, quoi? Mais bien sûr, mais c'est un anti-héros. Oui. De même que Meursault ou Roquentin. Oui. Ce que j'aime, c'est les losers, finalement. Oui. Sauf que c'est beaucoup plus sympathique un héros qui est nul, qui a des désirs nuls, qui est perdu et qui en même temps voudrait être heureux. Parce que je pense qu'il ressemble un peu à chacun de nous quand même. Il est trop mignon en fait. Oh. Alors voilà, alors au-delà de tout ça, il y a évidemment un style impeccable. C'est clair que vous avez le sens de la formule. Demander une fille en mariage, il n'y a pas mieux pour meubler une conversation.
C'est vrai en plus. Oui. Le problème, c'est les conséquences après, ouais. Mais. Mais en même temps, je sais pas. Cérémonie après. Longtemps, je me suis couché des bonheurs. Enfin, il y a des phrases rigolotes. Il y en a une. Quand la femme n'est pas niquée, elle est paniquée. Enfin, c'est pas de vous, c'est d'Oscar. Hein. Je pense que Béatrice approuve. Ouais. Plus oui. Ouais. Non, c'est-à-dire que souvent. Là où un autre auteur plus prestigieux et plus académique peut-être hésiterait, ouais. Moi j'y vais. Ouais. Parce que je crois que... C'est la différence entre toi et Troya. Voilà. Moi j'y vais, tant pis, c'est vrai que c'est peut-être un peu lourdeau, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je suis désolé. En même temps, c'est vrai. Mais toi, t'aimes pas Jean Rocas, t'aimes personne. J'ai une question. Si c'était pas vous qui l'aviez écrit, vous le conseilleriez ? À moi, par exemple ? Oui, parce que je crois que c'est un grand livre. Et menteur en plus. Vous dites aussi, plus je gagne de l'argent, moins ma vie est enrichissante. Ben c'est... C'est vrai. Sérieusement, les gens ne se rendent pas compte chez eux, mais ce n'est pas facile d'être riche. C'est vrai que là, on a vendu vraiment le truc comme une révolution de la syntaxe littéraire, quoi. Un vrai truc ambitieux. Non, c'est vrai que c'est un livre assez désespéré. Vous dites, les hommes sont toujours entre une ex et une future, entre la nostalgie et l'espoir, coincés entre deux absences. C'est le problème de la gente masculine, d'avoir besoin de conquérir, de voyager, de séduire, et peut-être moins que les femmes de construire, d'être équilibrées. C'est une folie qu'on a. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe, Dominique ? Dominique, peut-être. Moi, Dominique est sous le charme. Je connais plein de femmes qui sont comme des hommes là-dessus. C'est quoi la différence ? Je crois que c'est vrai aussi, oui. Moi, j'ai l'impression que chacun fait comme il peut. Quoi. Et vous dites pas qu'on se met tous à poil pour casser un peu dans ce carton-là. Je vais t'en mettre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit sur ce livre et que tu veux dire ? Parce que je sais, l'esprit d'escalier, c'est terrible, j'aurais dû dire ça. Dis-le maintenant. Ce livre, c'est 5 ans de ma vie. Mmh. Et c'est un livre que je considère comme mon meilleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est vrai, je ne pense pas que... Ça marche bien. Hein. Et je voudrais dire, j'adore la légèreté, oui, mais je pense, très fort, légèreté, je pense comme Lao Tzu que la gravité est la racine de la légèreté. Ah. Et que il faut pas s'arrêter à la surface paillette, débile de ce genre de prestations, parce qu'en réalité, je crois que c'est mon livre le plus intime et le plus sincère. Voilà, maintenant parlons d'autre chose. Ah, il faut refaire l'entrée, on me dit. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire une interview Alain Delon. Pour vous, Frédéric Becbédé est synonyme de quoi ? Alors, ça dépend dans quel pays. En Lituanie, c'est synonyme d'orgasme. mais si vous prenez l'Ukraine, la Biélorussie et aussi le sud, ouais, de la Bulgarie, alors là, c'est synonyme de dollars. De dollars contre des services. C'est triste. Est-ce que vous... c'est triste. Est-ce que vous pensez... Bah, c'est un râteau, là. Non, c'est mais pas Dominique, un râteau, là. Dominique, t'imagines là, c'est un que regard. C'est l'écrivain non, français... Non, attendez. T'imagines écoutez... que c'est l'écrivain français le plus vendu à l'étranger, t'imagines. Mais il y en a marre, parce que ouais, là... Qu'est-ce qu'elle a fait, J'ai rien fait, pour une fois, j'ai rien fait. Tu veux pas te laisser faire. T'as bien raison. Et moi, j'en suis bouche bée. Si je suis pas en train d'essayer non plus. Enfin, faut pas arrêter de croire que je suis Gonzague Saint-Brice ou je sais pas. Là, d'un seul coup, si le studio brûlait, tu sauverais laquelle, là ? Bonne question, Laurent. Laurent en sauver une. Moi, je suis sûr que je cours plus vite sans lui. Est-ce que vous pensez que Frédéric Becbédé est un grand écrivain ? Frédéric Becbédé en est persuadé, mais Oscar Dufresne n'est pas d'accord. Est-ce que Frédéric Becbédé atteint aujourd'hui une certaine sérénité ? Frédéric Becbédé cherche la sagesse. il essaie d'être honnête. Ouais.
c'est déjà un début. Bien sûr. Mais la sérénité, à mon avis, il ne la trouvera jamais. Jamais. Non. Jamais, jamais, jamais. Jamais, sauf jamais. Dans le coma. Voilà. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est vrai, on dit que Frédéric Becbédé, ces derniers temps, aurait passé beaucoup de temps avec des top modèles dans des boîtes topless et... Alors, on raconte que Frédéric Becbédé a ce genre de vie. Oui. C'est très exagéré. Oui. Très exagéré. Les photographies qui circulent oui. en ce moment sur le net oui. sont de grossiers photomontages. D'accord. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pensez que Frédéric Becbédé doit beaucoup à son physique ? Non. Là. Tu vois, alors là, personne n'a remarqué, mais c'est moi qui lui ai foutu un râteau, là. J'ai rien demandé. Ah, je suis désolé. Alors, c'est flagrant. Sur toi, là, oui, j'ai vu. Oui. C'était flagrant. Ouais. Je sais pas si Serge l'a eu, mais c'était... Il n'y a pas un replay, non. Est-ce que Frédéric Becbédé en a pas marre quand on lui parle toujours de l'hyper-chose sur Canal et de son menton? Mais en fait, bizarrement, Frédéric Becbédé déplore qu'on ne parle pas plus de ces deux désastres. Est-ce que Frédéric Becbédé a un rapport familial avec les frères Bogdanov? Frédéric Becbédé vient, c'est vrai, d'une autre planète. Est-ce que vous pensez que Frédéric Becbédé laissera une trace dans la littérature? Frédéric Becbédé... J'adore la littérature. En fait, j'adore cette interview parce que j'adore parce qu'on prononce souvent deux mots que j'aime bien qui sont Frédéric et Becbédé. Deux mots qui... C'est pas facile à dire comme nom, hein. Laisser une trace n'est pas le but ultime d'un écrivain. Il est de formuler des émotions, de peut-être immortaliser des instants éphémères, ouais. mais pas nécessairement de s'immortaliser lui-même, je crois. Que c'est beau, ça. Je crois pas que ce soit le but. Pas plus avec des trucs pareils, putain, c'est énorme. Comment ça se fait? Attendez, il est tôt. Est-ce que Frédéric Becbédé pense que le monde littéraire a de la chance que Frédéric Becbédé s'intéresse à lui? Attendez, oui. Oui. Est-ce que Frédéric Becbédé va se mettre à la chanson parce qu'il est doué pour tout, en fait? Frédéric Becbédé a fait une tentative. Ouais, j'étais là. Dans double jeu. Je ne suis pas Patrick Bruel. J'ai resté dans toutes les mémoires. Tu t'en souviens de ça? Je ne suis pas Patrick Bruel. Ouais. Non. Bizarrement, personne ne s'en souvient. Non, moi si, j'étais le producteur de l'émission en même temps. Mais bon. Est-ce que Frédéric Becbédé est fier de faire fantasmer 3 milliards de femmes? Alors, comment dire, Frédéric, retire deux. Frédéric Becbédé voudrait qu'on revienne sur cette statistique. Oui. Parce que la planète, donc il y a 6 milliards d'habitants, vous m'arrêtez si je me trompe. 6,5. Mais il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Donc c'est plutôt 3 milliards et demi de femmes qui D'accord. fantasment sur Frédéric. Est-ce que Frédéric Becbédé est fier d'être une star au Japon? Mais Frédéric Becbédé aimerait bien, mais ça n'est pas le cas. En Russie, oui. En Slovénie? En Turquie. En Pakistan. En Allemagne, mais alors pas du tout au Japon. C'est très très... Il y a un gros problème au Japon. Il faut absolument faire quelque chose. Si on pouvait lancer un appel. Est-ce que TV5 diffuse l'émission au tout Japon? Tout à fait au Japon, bon, bien voilà, sûr. Voilà. Tu peux en parler à Alain Delon, parce que ouais. Je suis traduit au Japon, mais alors c'est un bide total. Ah bon? Ah oui, absolument. Ils comprennent pas en japonais. Ils comprennent pas ton humour au Japon. En plus, comme j'adorais le film de Sofia Coppola, j'adorerais aller traîner dans un hôtel tout seul, bien au sûr. Japon. Est-ce que Frédéric Becbédé... Qui verrait qui pour jouer le rôle de la fille? T'as pas remarqué l'énorme feeling qu'il y a eu là? Il y a eu un courant justement, qui est passé. Justement, je t'amène la suite. Ouais. Là, je peux vous dire... Nicolas le jardinier, va te rhabiller. Frédéric Becbédé, l'égoïste romantique, c'est publié chez Grasset, mesdames, messieurs.
Aïe. Carte confession, vous devez confesser quelque chose que vous avez sur le cœur. Oh la vache. En réalité, ce qui m'arrive, c'est de rire à gorge déployée. Mais en fait, je ne vais pas bien du tout. Voilà. Oui, ah bon? C'est ça le scoop. Et vous avez devant vous quelqu'un de très triste. Oh, ça va peut-être Pourquoi marcher ce truc-là. Il va vous avoir à l'attendrissement. Vous allez comme voir. Le mec du début. Ouais, je sais pas. Ouais, parce que, en fait. T'as pas été aimé quand t'étais petit et tout? Non, justement, en fait, voilà, j'ai été tellement aimé au début que maintenant j'ai besoin d'avoir tout le temps au moins 3000 bisous par jour. Ah, mais ça, c'est autre chose. Tiens, les gens, soit ils sont pas aimés quand ils sont petits, ils sont malheureux toute leur vie, ouais. Soit ils sont trop aimés, ils retrouvent pas le même amour. Eh oui, moi, c'est ça, c'est la promesse vous de l'aube. Vous voulez pas qu'on se suicide tous maintenant, mais qu'on se déshabille avant. Juste pour voir comment on est gaulé entre eux. Parce qu'après, on meurt. Béatrice, je vais vous laisser filer. Merci d'avoir été avec nous. Le film s'appelle Dans tes rêves. Ciao. Salut, chérie. Demande, c'est pas. Ouais, j'ai pas eu le temps. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. J'accueille Maître Collard. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Bonsoir. Tout le monde, Maître Collard? Non. Dominique Voynet, vous la connaissez? Vous connaissez pas? Non, qu'est-ce qu'elle fait? Vous non, vous aimez pas? Vous êtes fâché? Ah, non, dites-moi. On ne connaît pas, on se connaît pas. Vous connaissez Maître Collard. Maître Collard, vous avez décidé de faire campagne pour le nom? Oui. Théo. Ah ben, il vient de changer d'avis. Je l'ai écouté. Et de vous présenter aux prochaines législatives. Je l'ai écouté. Remarquez, si vous défendez le nom, la Constitution européenne risque de prendre perpète, ce qui serait bien pour Dominique Voynet. Oui, c'est ce qui elle est là pour perpète. Ouais, bah oui, surtout si vous défendez le nom. Elle ne vous a pas dit tout à l'heure. C'est pas vrai. Ah! Non, mais. Attendez. Il m'a questionné. Je vais répondre. Pourquoi elle risque de prendre pour perpète? Ouais. Pour deux raisons. D'abord, parce que Giscard lui-même l'a dit, elle est là au moins pour 50 ans. Il l'a dit, ça. Il l'a dit. Ensuite, ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, et qu'il faut quand même que vous sachiez tous, c'est que cette constitution, eh ben, elle est pas révisable. Une fois qu'on aura dit oui, on ne pourra plus jamais revenir parce qu'il faut, pour la réformer, la double unanimité. Et on l'aura. Pour des raisons techniques, jamais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui vont dire oui au mariage avec la Constitution vont être mariés à vie, avec une Constitution qui a une particularité qui est quand même importante à signaler. Après, on peut débattre, parce que ce que vous avez dit était très pertinent. Il y a des très choses, pertinent, ce des choses intéressantes. Très pertinent. Il y a des choses intéressantes. Il faut savoir que cette Constitution ne donne pas, et ça, je crois qu'il faut que les gens le sachent, l'initiative des lois au Parlement. C'est-à-dire que les parlementaires n'ont pas le droit de proposer la loi. Ils ne peuvent qu'exercer un droit de veto. C'est-à-dire, c'est-à-dire que sur présentation de la loi, dire on ne la vote pas. Enfin, je trouve que c'est quand même pas une avancée démocratique d'élire des députés. Vous parliez tout à l'heure du Parlement et vous aviez raison en indiquant que le Parlement aujourd'hui en France n'était pas à sa place, à sa vraie place. Mais que dire alors d'un Parlement qui n'a pas le droit de proposer la loi? Voilà. Tout ce que les opposants au traité reprochent au traité constitutionnel, c'est ce qui existe déjà dans l'Europe. Et moi, ce que j'aime dans ce traité, c'est justement ce qu'on a rajouté depuis la dernière fois. Donc, il est totalement faux de dire que le Parlement européen n'aura le droit de rien. Au contraire, dans une vingtaine de matières supplémentaires, je prends à témoin Frédéric, dans une vingtaine de matières supplémentaires, le Parlement européen, qui n'a effectivement pas le droit de proposer les lois, mais pas plus que le Parlement français. C'est le gouvernement qui propose des projets de loi au Parlement français, d'accord? Donc, le Parlement européen, il a ce qu'on appelle... Les députés peuvent se présenter des projets de loi, quand même. C'est des propositions de loi, une matinée par mois, sur des sujets secondaires, en 4 heures. Ils le peuvent. Pareil, mais le Parlement européen aussi. Parce qu'on a tué le parlementarisme en France, et on ne l'a jamais créé en Europe. Je ne discute pas comme ça. Je préférais
Après, je vous laisse parler, mais vous me laissez finir une phrase, oui, d'accord ? Oui, c'est mieux, d'accord. Voilà. On est d'accord, oui. Alors, la condition que vous ne parliez pas tout le temps. Le Parlement européen, le Parlement européen, il a de toute façon le droit, via la commission des pétitions, de déposer des textes, hein, de demander à la commission de déposer des textes. Mais là, on est de nouveau dans le chinois. En français, qu'est-ce qu'on appelle la codécision ? Ça veut dire que le Parlement européen décide avec la commission et le Conseil. Alors, un exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez la Commission européenne qui dit avec le Conseil européen, avec les ministres, il faut faire attention aux OGM. Hein ? Et qui vote contre des dispositions plus prudentes ? J'étais ministre à l'époque, je m'en souviens bien, c'est les parlementaires européens. C'est bien la preuve que déjà aujourd'hui, ils peuvent voter. Si d'accord ? Ils peuvent Vite. Voilà. Si je peux répondre, on va pas fatiguer les gens avec ça, c'est un débat technique. Alors, on ne balance pas n'importe quoi. Non, mais je ne balance pas n'importe quoi. Quand Dominique vous l'a expliqué tout à l'heure, c'était très clair. Non, mais quand je dis fatigué, je ne parle pas de moi. Moi, ce que j'essaye de faire comprendre simplement, c'est que c'est un recul démocratique. Voilà. Et je donne comme argument, et je crois que c'est facile à comprendre, que le Parlement ne peut pas proposer la loi. Alors on nous dit, mais avant ça existait. Mais c'est pas. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Répondez à la question. Est-ce qu'il peut aujourd'hui ? Mais non, mais c'est pas une raison parce qu'on a le bras cassé qu'il faut avoir les deux jambes cassées, enfin. C'est pas parce que c'est mal en ce moment qu'il faut que ce soit encore plus mal plus tard. Non, enfin, ça sera mieux plus tard. Mais bon, citez un seul exemple si vous permettez, je serais moins bien qu'aujourd'hui. Dominique, j'ai fait un effort surhumain pour moi, je vous ai laissé parler. C'est vrai, mais c'est votre métier, vous êtes payé pour ça, d'habitude, causer. Non, mal parfois, et vous sûrement beaucoup mieux au Sénat que moi. Bon, c'est pour ça que je veux faire de la politique, du reste, pour avoir une retraite. Ça va pas marcher si vous en faites comme ça. Pour avoir une retraite heureuse. Ah ben voilà, mais vous me donnerez la recette, vous qui avez réussi. Bon, ce que je voulais dire, c'est que le Parlement européen, qui est l'expression de la vie démocratique, il n'a pas les moyens de s'exprimer. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a des arguments tout à fait respectables dans ce que vous dites. Bon, mais ce qui m'inquiète et ce qui me préoccupe, c'est qu'une femme comme vous, hein, engagée pour le combat social, accepte qu'on ouvre la concurrence d'une manière aussi impitoyable et qu'on nous dise que le commerce va être libre et équitable. Qu'est-ce que c'est qu'un commerce libre et équitable ? Depuis quand le commerce qui est libre, qui peut tout se permettre, est-il équitable ? On vous leurre avec des mots. D'un côté, pour le coup, c'est un oxymore, ça. Hein ? D'un côté, on vous dit le commerce sera libre, c'est-à-dire impitoyable, et de l'autre, on vous dit sera équitable. On se fout de nous. Ouais. Voilà ce que je crois. Bon. Non, Dominique, vous répondez. Non, on va y passer la soirée. Dominique, vous répondez. Oui, en une phrase. Les libéraux, ils ne sont pas pour le traité constitutionnel européen. Ouais. Parce que, pour eux, la concurrence sans règles, c'est ce qu'ils souhaitent. Ouais. Hein. La concurrence avec des règles, ils détestent. Et dans le traité constitutionnel, il y a des règles qui encadrent la concurrence. Lesquelles ? D'accord ? Lesquelles ? Notamment la codécision avec le Parlement européen qui peut amender et modifier. Mais c'est un peu technique, mais c'est très technique. Ça alors, c'est moi, je vais régler le problème. Vous voulez vous occuper de l'Europe ? Vous voulez donner votre avis sur l'Europe ? Oui. On va faire une interview. De quoi je me mêle ? Non. Alors, vous proposez quoi à la place de la Constitution européenne ? Ah mais non, je propose rien. Vous avez une meilleure idée ? Non, qu'on retourne... Non, me répondez pas en une demi-heure. Répondez-moi brièvement, vous proposez quoi ? Je propose l'application du traité de Nice, ouais. Et je propose qu'on engage un débat démocratique sur la rédaction d'une constitution, qu'elle ne soit pas imposée d'en haut, qu'on interroge. Recommencer à la case il y a 3 ans. Mais pourquoi pas ? On n'est pas pressé. Les États-Unis qui décident pour tout le monde à travers la planète. Est-ce que vous croyez que c'est facile de faire un texte qui aille bien à 25 pays ? Est-ce que pour vous c'est facile ? Écoutez, c'est pas facile, mais la feuille de route de Lenken qui a servi de base à la rédaction de cette constitution, elle ne demandait pas aux intéressés de faire une constitution. Elle leur demandait d'harmoniser les textes, de les démocratiser. Et puis Giscard a voulu, parce que c'est Giscard, que son nom reste attaché à une constitution. Et alors qu'il s'agissait simplement de faire une proposition pour une éventuelle constitution, on s'est retrouvé avec un traité constitutionnel. C'est pas la même chose. On peut parfaitement retourner au traité de Nice et c'est puis on essaiera de le faire évoluer. Bon. Bien, alors on continue. À travers un débat, bien sûr. Gilbert Collard, si vous aviez été pour le oui, vous seriez venu le dire à la télévision ? Ah ben, bien sûr que oui. C'est quand même moins intéressant d'être pour le oui, médiatiquement, que d'être pour le non, quand même. Franchement, Thierry. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à lire la Constitution, j'étais vous l'avez bien lu, cette Constitution ? Oui, 458 articles. Je dois reconnaître que c'est difficile à lire. Qu'il y a des moments où il faut se reporter à d'autres textes pour comprendre, qu'il y a des moments où on a de terribles trous de mémoire parce qu'on ne sait plus exactement. Bon. Comme la Constitution de la Ve République. Mais la moins d'articles. Même la quatrième était chiante. Oui, mais la moins 458 articles, si je ne me trompe pas, vous vous rendez compte ? Il faut s'agréger de droit constitutionnel pour comprendre. Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez contre la Constitution peut jouer le 29 mai ? Ah non.
Oh non, absolument est-ce pas. Est-ce que ça peut aider le oui ? Je le crains, je le crains, oui. Mais en réalité, on m'a demandé de faire campagne pour le oui. Voilà. Si le PS vous payait pour défendre le oui, est-ce que vous le feriez ? Oui, mais je ferais gagner le non. Oui. Le chômage, vous êtes pour ou contre ? Ah, quelle question. Il n'y avait que Tapie qui avait pu dire qu'il fallait supprimer le chômage. Le chômage, ouais. Je rêve qu'il y en ait le moins possible, mais ce n'est pas avec cette construction européenne qu'on nous prépare qu'on arrivera à éradiquer le chômage. Vous feriez quoi, vous, pour relancer l'économie en France, par exemple ? Mais en tout cas, j'essaierai d'abord de remettre à plat complètement le système économique et social. Il faudrait qu'on ait... Mais qu'est-ce que vous feriez, vous ? Mais c'est ça qu'il faut faire, il a raison. Moi, je donne mon avis. Personne ne dit Yaka. Je comprends tout à fait qu'on ne respecte pas mon point de vue. Bon. Mais je voudrais qu'il ne soit pas caricaturé. Quoi. Bon, il n'y a rien de plus difficile que de lutter contre le chômage. Tous les gouvernements s'y sont essayés et ils n'y sont pas parvenus. Et Dieu sait que tous les gouvernements ont bien compris que leur popularité allait se jouer là-dessus. Donc, ce que je sais, parce que je crois l'avoir compris, c'est que la solution européenne telle que la Constitution nous la propose ne nous permettra pas d'éradiquer le chômage. Si on veut arriver à trouver des solutions pour diminuer le chômage, il faut redéfinir complètement les liens contractuels. Mmh. Il faut également doter l'industrie d'un soutien économique qu'elle n'a peut-être pas. Et ce n'est pas l'Europe qui le lui donnera. Et vous pensez qu'il faut supprimer le SMIC ? Non. Pour le PSG, vous feriez quoi, vous ? Je les mettrais au SMIC. Mmh. Vous laisseriez Pauletta à l'avant ou non ? Sérieux. Sérieusement. Mais alors, je m'en fous. Tiens, Pauletta, c'est lui. Je m'en fous, je... Au niveau du string pour hommes, vous avez un avis ou... Écoutez, porté par vous... Ah, ça me paraîtait très élégant. Si le oui passe, vous allez faire appel ? On pourra pas. Il y a déjà un râteau. C'est ouais. Bon. On pourra pas. Alors, j'ai une question, moi. Allez, vas-y. C'est le seul, là. Oui. Dominique, j'ai une question à Dominique, moi. Dominique, entre Maître Collard et moi, vous prenez qui ? Ah. Finalement, vous aurez le droit de porter les valises et les déserts. Je préfère. Merci Dominique. Merci. Je sais pas ce que tu lui as dit, mais elle était d'une humeur. Ah, je l'ai mise de mauvaise humeur, je suis désolé. Elle est partie, elle était verte. Ah ouais. Elle était verte. Alors Gilbert. Pourtant, j'ai pas été agressif. Gilbert, avant de revenir à vos activités politiques, on va revenir sur quelques affaires qui vous ont rendu célèbre. La profanation du cimetière de Carpentras, par exemple. C'est pour rien. Ben si, vous avez montré une enveloppe aux caméras en disant qu'elle contenait le nom des coupables, qu'ils étaient issus de la bourgeoisie locale. Je rectifie. C'est une enveloppe qui n'a jamais été ouverte et après on a découvert que c'est des skinheads qui avaient fait le coup. Ah, je rectifie. Je ne suis pas le facteur de Carpentras. Ouais. Désolé. Mon client a... mis dans une enveloppe, je ne sais pas s'il y avait des noms, du reste, parce qu'elle n'a jamais été ouverte, cette enveloppe, les noms des supposés coupables de la profanation. Ouais. Bon. Ouais. Et il a montré cette enveloppe lors d'une conférence de presse. Et j'ai eu la faiblesse, pour être photographié avec lui, de tenir l'enveloppe. Ah. Voilà. Voilà. Et l'enveloppe, vous ne saviez pas, donc vous non, tenez... Non, j'ignorais. Non, c'est quand même incroyable. Vous tenez devant les caméras une enveloppe... Oui. Dont vous ignorez le contenu. Oui, parce que bon, la réalité... En 10 ans, il y a à l'intérieur non. de cette enveloppe... Non, je dis pas coupables. Ça. Non, je me rappelle, non, je l'ai vu. Et j'ai la télé, non, moi. Non, c'est pas... Non, c'est tu as eu une vision, là. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah bon? J'y étais. Toi, tu as peut-être vu, moi, j'y étais. Et ce qui s'est passé exactement, c'est que M. Germont, oui. qui était le cousin de la personne profanée, voilà. est venu à cette conférence de presse avec une enveloppe. Il n'y avait pas d'argent dedans. Il y avait, disait-il... Malheureusement. Il y avait, disait-il, les noms des profanateurs. C'est lui qui le disait, ce n'est pas moi. Ouais. Et il a montré cette enveloppe aux journalistes présents. Et toi, tu étais derrière, tu faisais... Non, j'étais à côté. Oui, mais tu faisais comme ça. Non, j'étais à côté. Et j'ai fait pire que ça. J'ai tenu l'enveloppe. J'ai fait une connerie. Autre connerie. Aurore Drossard, la fille cachée de Yves Montand, vous avez fait exhumer le corps d'Yves Montand ouais. pour rien. Ben, je ne l'ai pas fait pour rien, puisque je l'ai fait pour qu'il y ait un prélèvement. Vous n'avez pas de chance avec les cimetières, hein, franchement. Ça me poursuit un peu, faites attention. Hein. C'est vrai. Ouais. Faites attention. Ouais. Hein. Bon. Mais je l'ai fait parce qu'il fallait un prélèvement d'ADN pour savoir si, effectivement, il y avait un lien génétique entre Aurore Drossard et Yves Montand. Mmh. À l'époque, j'ai été très malmené par Catherine Allégret, qui par la suite a dit pire que moi sur Montand. Et j'ai été un peu surpris, je dois l'avouer. Mmh. Avec le recul,
Je regrette cette exhumation. Oui, c'est deux choses que vous regrettez, la Carpentras. Non, bah, la Carpentras, c'est une connerie, non. Alors, est-ce que Virenque vous regrettez? Non, pas du tout. C'est vous qui lui avez conseillé de dire qu'il avait été drogué à l'insu de son plein gré. Mais ne répétez pas cette bêtise qui a fait la fortune de Gassiot. C'est pas vrai. Comment pouvez-vous croire que... Vous avez bien conseillé à Virenque de dire que s'il avait été drogué, c'était malgré lui. Moi, je vais être très clair avec vous. À la limite, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, même si je dois porter le casque du cycliste, c'est que Virenque, aujourd'hui, il a pu terminer sa carrière, il n'a pas été sanctionné, il n'a pas été condamné, il a pu continuer à faire de la publicité pendant toute la période où le procès durait, comprenne qui voudra, et il s'en est parfaitement tiré. Alors, si je dois payer le prix, je le paye, c'est mon rôle. J'ai pris des coups pour Virenque, je considère que c'est mon boulot. Si demain il fallait que j'en prenne pour servir de bouclier à un autre, je le ferais. Ouais. J'ai été le bouclier de Virenque. Un bouclier humain, en fait. J'ai été le bouclier humain. Attends, avec ce que j'ai pris dans la gueule, je vous peux dire... Vous avez gagné de l'argent aussi avec ces gens-là. Pas tellement. Non, j'ai été bien payé par Virenque, parce qu'il gagnait lui aussi beaucoup d'argent. Oui. Moins que le dealer de Richard Virenque. Alors aujourd'hui, vous êtes sur l'affaire Kabyle, encore une histoire de cimetière, décidément... Bah oui, Eliane Kabyle. Ah oui, oui, le, non, c'est pas. Oui, d'accord, oui. La fausse exhumation. Finalement, je vais finir chez Roblot. Mais c'est fou. Vous êtes spécialisé dans les exhumations. Vous êtes en noir. Ouais. Je suis en noir. Ouais. Regarde, il a des pompes funèbres. On a des pompes funèbres. Ce qui vaut mieux que les pompes. Donc, là, l'histoire, c'est quoi? C'est cette madame Eliane Kabyle, 64 ans, qui meurt à l'hôpital de. C'est hyper compliqué, de Gonesse. Elle n'est pas hyper compliquée. On l'exhume et on découvre que c'est un faux cadavre. Ouais, c'est absolument hallucinant. Ça vous poursuit, cette affaire de... Ouais. Hein? Mais dans mon métier, il y a peu de vivants. Ouais, enfin, je m'excuse de vous le rappeler, mais bon. Ouais. On fréquente beaucoup de morts et on porte une robe noire parce qu'on a le deuil des illusions humaines. Et puis, il y a une affaire aussi dont vous occupez, que j'adore, c'est le cocu médiatique, là, le gendarme. Je dois dire ça m'a beaucoup détendu, ça. C'est si je puis dire, pour parler d'un cocu. Racontez, elle est bien, celle-là. Eh bien, c'est un gendarme. Il faut que ça arrive à un gendarme, en plus. Ouais. Qui est marié, parce que contrairement à ce qu'elle raconte, ils sont encore mariés, qui est marié avec une jeune femme qui a participé à l'émission du Bachelor. Voilà. Et un soir, qui le mari voit-il sur l'écran, en train de se proposer comme conquête du séducteur médiatique? Sa femme. Ouais. Sa femme. Qui s'était éloignée du foyer conjugal depuis à peu près un an. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Bon, et il a très mal pris. Et il a assigné sa femme. Ouais. Bon, il a d'abord demandé le divorce, parce qu'il considère que c'est un peu outrageant. Mais surtout, il a l'air d'un con, parce que tous ses copains, le lendemain matin, lui ont dit à la caserne... D'où le nom de cocu médiatique. D'où le nom de cocu médiatique. Ils m'ont dit, mais enfin, tu te rends compte, on a vu ta femme, et vous êtes divorcé. Voilà, il a très mal pris, quoi. Comme quoi, la télé peut faire parfois du mal. En fait, elle lui disait qu'elle était à Nice pour faire Elle lui disait qu'elle était à Nice pour faire des études de droit. De droit. Voilà. De droit. Bien. Le droit mène à tout. Voilà, le pire, c'est qu'elle a été éliminée, c'est ça qui est vraiment... Elle a été éliminée, en plus. Voilà. C'est ça qui est dur. Il y a toujours... Ta femme, elle n'a même pas été choisie par le bachelor. Mais je crois que c'est ce qu'il a... Qui est vraiment dur. C'est ce qui a énervé le gendarme, Alors, donc, avec le non à l'Europe, vous lancez dans la politique. Alors là aussi, vous allez vous faire des potes. Sarkozy, vous dites, en parlant de Sarkozy, vous dites, je suis radical chiracien. Chirac a déjà un braquet d'avance sur Sarkozy. Donc déjà, vous n'êtes pas copain avec Sarkozy tout de suite. Non, c'est... Hein, c'est déjà pas édin. Et pourtant, il a le vent en poupe. Ouais. Mais il est pour le oui. Raffarin. Chirac aussi, du reste. Raffarin, vous dites, il est fatigué. Ah, il est fatigué, c'est vrai. Vous ne trouvez pas? Borloo, vous dites, il est prétentieux. Non, j'ai pas dit ça de Borloo. Ah, si. J'adore le si. Je crois pas, non. Si. Non, parce que je suis copain avec lui, non. C'est dans France, soit. Bah, ils ont dû... Ah oui. Ils ont dû... Non. Borloo, non. Il n'est pas prétentieux, ce soir. Je n'ai pas souvenir d'avoir dit que Borloo est prétentieux. Je vous ai bien lu. Hollande, vous dites fromage mou. Ah, je l'ai dit ça, oui. Hein? Langue, vous dites, il a tout sacrifié à les médiatos politiques. Je vois bien de dire ça, non? Attendez, je suis battu complètement, là. Ouais. Il faut le marier avec Madame de Fontenay. Je crois pas qu'elle cherche quelqu'un, Geneviève. Non, sérieusement, Gilbert, pour conclure, c'est quoi cette idée de faire de la politique, là? Parce que là, vous commencez très mal. Mais je m'en fous, moi. Ah bon? Attendez, moi j'ai envie... Ça marche sérieusement, oui. Ouais. Non, mais je m'en fous du sérieusement, je m'en fous. Moi, j'aurais envie, si je trouve un millimètre pour m'y placer, j'aurais envie de faire de la politique pour n'être pas élu. Pour dire vraiment ce que j'ai envie de dire et ne pas me laisser emmerder par l'espoir d'être élu, par l'obligation de me taire sur des sujets où j'ai envie de parler. Je crois qu'on a vraiment besoin... Tout à l'heure, elle n'est plus là, donc ça m'ennuie d'en parler, mais quand elle évoquait sa carrière politique et que vous la questionniez sur la présidence de la République et qu'elle vous disait « j'ai envie, j'ai... »
j'ai envie, je voudrais, mais j'ai le... Ça, c'est pas un problème de désir, c'est je souhaite faire triompher mes idées pour que ça change. Bon. Mmh. Et je pense qu'à l'heure actuelle, si on veut pouvoir parler librement, il faut être complètement indépendant de la réussite politique. Moi, personnellement, je gagne ma vie convenablement. Ça, c'est assez grave, ça veut dire qu'en politique, seuls les riches... On voit au chapitre les gens qui n'ont pas de besoin. C'est ce que dit Arnold Schwarzenegger. Défends pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que là, ils sont tous installés dans la vie politique. Quand tu les prends, les uns après les autres, et que tu leur poses la question, quelle activité avez-vous exercée depuis 10 ans? Il n'y en a pas un qui a travaillé depuis 15 ans. Il y en a pratiquement un. Ils ont travaillé pour nous, pour la France. Si tu le crois, vive le rêve. Oui, bien sûr, c'est très important qu'il y ait des hommes politiques et qu'on les respecte. Moi, je crois que ce sont des rentiers de la démocratie. Démagogie. Non. Démagogie, populisme. Attends, vous avez le droit de pas me... Les hommes politiques. Heureusement qu'il y a des gens qui se sacrifient, qui travaillent. Il a l'habitude qu'on soit pas d'accord avec lui. Non, mais attends, qui me contredit m'enrichit. Donc, vous êtes les bienvenus. Enrichi hein, sur le plan matériel. Sur le plan intellectuel, nuance. Mais j'ai pas l'impression, maintenant, s'il a envie de croire à cette magnifique rêverie, il a le droit. Mais j'ai pas l'impression que le personnel politique dans son ensemble soit préoccupé par le triomphe des idées, par la réalisation des projets. Toi, oui. Bon. Je ne veux pas être élu. Dis-le, tous pourris. Non, j'ai pas dit ça. C'est vendeur. J'ai pas dit tous pourris. Non, mais il faut pas dire ça. J'ai pas dit tous pourris. Il y a certainement des gens très bien, mais enfin, quand même, d'une façon générale, à l'heure actuelle, quand on regarde comment se fait l'accomplissement des projets politiques, on est bien obligé de se dire que ils cherchent tous, d'abord et avant tout, à vendre leur carrière. Merde. Moi, je pense. C'est l'évidence. Je pense que les plus pourris sont dans les entreprises privées. Casser la langue de bois. Ouais. Dans lequel la démocratie trouve son cercueil. Voilà. Casser la langue. Cercueil. Attention. Attention. Alors on a reçu dans cette émission Maria Carré il y a quelques semaines. Vous nous avez envoyé des mails pour la revoir. La voici. C'est moi qui dis Magnéto Serge. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bravo. Est-ce que la traduction fonctionne? Oui. Just say something. I'm very happy to see you, Thierry. Oh, I'm very happy to see you, of course. Good? Je suis très heureuse de vous voir, Thierry, bien sûr. Parfait, ça marche. Ok, c'est bon. Laurent, you know Laurent? Laurent. He's my best friend. Hello. Nice to meet you. Maria Carré. Yes, I know all about you. J'ai entendu parler de vous déjà. You heard about him, yeah. How many people are you? Combien de gens sont avec vous ici ce soir, Maria? Oh, I don't know. 10, 12. Je ne sais pas, 10, 12, 15, je ne sais pas. Ah, c'est énorme. More than I need, probably. Plus que ce dont elle a besoin. Oui, oui. J'avais traduit, Thierry. Tu avais traduit, c'est bien, Laurent. He speaks English perfectly. Oh. Yes, indeed. Bien. Alors, Maria, bonsoir. Bonsoir. You're welcome. Vous sortez. Ça ne va pas être possible. Hein. Alors, Maria, vous sortez votre premier album depuis 2002, depuis Charm Bracelet. Yes. C'est donc le grand comeback de Maria Carré, avec un album qui s'appelle The Emancipation of Mimi. Yes. L'émancipation de Mimi. Mm-hmm. Voilà. Alors, Mimi, en fait, c'est votre surnom qui, jusque-là, était réservé uniquement à des gens très proches de vous. Hein. Yes.
It was. Oui, c'était. Until I decided to name my album, not a no. Jusqu'à ce que j'ai choisi le nom de mon album. Tout le monde sait maintenant que Mimi est mon surnom. Mais le fait d'appeler votre album L'émancipation de Mimi, est-ce que ce n'est pas une façon de baisser un peu votre garde et de vous rapprocher de vos fans, Maria? I think so, yeah. Yeah. Je pense que oui. Là, elle pense que je n'ai pas dit une connerie. Tu vois, elle me fait un sourire. You're proud of me now. Thierry, hein? C'est un androïde. Yes. C'est un programme aléatoire. Alors, l'album s'appelle L'émancipation de Mimi. Et le premier single s'appelle It's Like That. It's like that, yo. It's Like That, donc c'est le premier single extrait du nouvel album de Maria Carey qui s'appelle L'émancipation de Mimi. Alors, Pio, est-ce que vous connaissez Orlando? Orlando, Florida? Orlando non. En Floride? Non, non, c'est un homme qui s'appelle Orlando. Vous connaissez pas? Where would I know him from? C'est le frère de Dalida. Vous le connaissez pas? Orlando. I'm sorry, I don't know him. Je suis désolée, je ne le connais pas. C'est un Français, enfin il n'est pas vraiment Français d'ailleurs, il est quoi Orlando? C'est spécial, hein? He's unique. Il a un renard mort sur la tête. Ouais. Dead fox. Yes, on this is dead fox. A dead animal on his head, yes, yes. What? Yeah. Animal mort sur la tête, yeah. Oh, charmant. A dead fox, yeah. Yeah. That smell. Ouais, il smell. Yeah. Et alors, Orlando, il veut voir le clip. On a entendu votre chanson, mais Orlando, il veut qu'on voit le clip. Let's alors, see that. D'accord. Vous regardez votre caméra, la caméra avec le rouge, et vous dites Magneto Serge. Magneto Serge. Magneto. What does that mean? Nothing nice. Ça veut dire quoi? Non, non, c'est pas hard. Non, 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 non. Non. Magneto Serge. Voilà, look. Okay, oh. Attention. Okay, Manito says. Oh my Bravo. God. Extrait du nouvel album de Maria Carey qui s'appelle The Emancipation of Mimi, l'émancipation de Mimi. Maria Carey, voilà, à la demande générale. Et maintenant, j'accueille Zazie. Bonsoir. Zazie, adorable, vraiment. J'aime mieux avec les cheveux longs. Ouais. C'est un moment où vous aviez les cheveux courts et... C'était pathétique, je sais. J'avais pas fini ma phrase. C'était juste un peu moins bien. C'était raté. Non, ce qu'il faut dire, je crois, c'est que vous êtes le sosie d'une des femmes de Frédéric. Tu trouves pas que c'est le sosie de Delphine, Frédéric? C'est le même genre, c'est le même style, T'es amoureux là, non? Il y a un dossier, Il y a eu un enfant. Donc c'est un beau dossier, oui. Ça va. Ouais. Très beau dossier, ouais. Petite Chloé. Et c'était, enfin justement, alors pour faire cet enfant, en fait. Voilà, alors Zazie, votre album Rodéo est dans les bacs depuis fin novembre, ça marche bien? Ça marche d'autant mieux que c'est un sacré truc. Hein. Il y a une version CD, puis une version CD plus DVD, tu vois, regarde. T'imagines? Gros dessin.
On dirait des seins. La pochette est vachement bien, oui, en plus. Hein. C'est moi qui suis obsédé ou on dirait des seins? Non, c'est toi qui es obsédé, mon garçon. C'est moi, ouais. D'accord. C'est les seins que je n'ai pas, je les ai mis là. C'est très Donc, il y a l'album et puis il y a 10 clips qui ont été tournés, en Inde par Didier Le Pêcheur. Hein. Vous n'étiez pas tellement dépaysé parce que quand vous étiez petite, vous avez fait de la danse indienne, vous. Ouais. Il ne le savait pas, ça, Didier Le Pêcheur. Non, c'est un truc de dingue. Ouais. Il me propose d'aller à Bollywood et de faire de la danse indienne puisque Bollywood, le système, on sait que c'est des comédies musicales. Et moi, j'ai fait du Bharatanatyam, donc une danse sacrée de l'Inde du Sud pendant 3-4 ans. Oui, c'est pas important. Et voilà, donc ouais. C'était rigolo, quoi. Vous avez une belle phrase en rentrant d'Inde. Vous avez dit, l'humanitaire, c'est d'abord l'humanité. Mine de rien, c'est pas mal. J'ai dit ça, ouais. Ouais, c'est bien. C'est vrai, avec BD, dis donc. Non, c'est une belle phrase, c'est vrai. Non, mais ça on a commence tendance par à s'intéresser l'oublier. À l'humanité, l'humanitaire. Voilà, oui. On a ouais. tendance à l'oublier. C'est vrai ouais. que souvent, on fait un humanitaire qui est complètement virtuel. Quoi. Je veux dire, ouais. On se sert d'un nom, d'une image, d'un truc complètement qui n'existe pas. Finalement, elle suit les Beatles à la trace. C'est un, oui. sans blaguer, c'est vrai. C'est un bon exemple. Il y a toujours, dans une carrière de rockstar, il y a toujours une étape où il faut passer par l'Inde. Ouais. Pour se ressourcer et trouver la sagesse. L'Inde, c'est le berceau de notre humanité. Mmh. Et on est tous un peu indiens aussi. Mmh. Je veux dire, si on reparle de géographie pure, le continent s'est scindé après. Et j'y ai vraiment trouvé des résonances sans du tout me convertir ni à l'hindouisme, ni à la pauvreté, ni à des choses qui m'échappent vraiment. J'ai trouvé des résonances à non pas un rôle, mais en tant que fille, je crois que quand on parle du monde ou des autres, on est très dans le détail, dans le point de son bout du tiroir ou éventuellement le type qui va pas mais qui est sur le trottoir d'en face, quoi. On a ce souci du détail. En Inde, on peut pas avoir des solutions de détail, on peut pas avoir des solutions individuelles. On a envie d'en adopter un, puis 10, puis 15, puis 100, donc c'est pas possible, il faut trouver d'autres choses. Donc c'est intéressant. Au début, on commence à se dire c'est atroce, vraiment, parce qu'on n'a pas été préparé, parce que découvrir l'Inde à 40 ans, c'est un traumatisme quand on est bien bobo chez soi, gentil, tout plein, avec des problèmes de riches, quoi. Et donc au début, c'est assez insupportable, aussi en tant que maman, c'est insupportable, parce qu'on est témoin de choses qui sont vraiment atroces, et on ne peut pas zapper, on n'est pas à la télé. Ouais. Et puis la troisième semaine, on cesse de réfléchir en occidental. Et c'est ça qui est intéressant là-bas. C'est la remise en perspective. Je ne peux même pas vous dire exactement ce que j'y ai appris. Je sais que je suis simplement revenue de ce pays avec une force incroyable. Voilà. Toc toc toc, extrait de Rodéo, le nouvel album de Zazie. Alors, vous connaissez Orlando, vous savez ce que il est très exigeant, hein, décidément il nous lâche pas. Toutes les semaines, il m'appelle avant l'émission, il exige le clip. Vous allez regarder votre caméra encore une fois et vous allez dire Magnéto Serge. C'est obligé. Pas Orlando, on pourrait lui faire une spéciale dédicace. Oh oui. Magnéto Orlando. Oh oui. Oh, ça va nous faire tellement plaisir. Toc, 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 extrait de Rodéo, le nouvel album de Zazie. Ça va, il est bien cet album, ça va, vous êtes contente? Moi j'en suis contente, ouais. Vous avez l'air épanouie là. Bah, c'est un peu comme si vous demandiez à une maman si elle trouvait le petit dernier pas à son goût, quoi. Franchement, c'est impossible. Alors, il va y avoir le Rodéo Tour, début juin. Hein. Est-ce que vous allez venir me voir pour une fois? Ah oui, c'est où? Parce moi, que la dernière fois, je suis allé à Bercy le 16 et le 17 septembre. La dernière fois, c'est de sa faute en plus, donc j'en profite. Allez, vas-y. Voilà. La dernière fois, je vous avais invité et vous étiez
censé venir. Vous aviez même réservé. Je vous avais laissé une belle table, super bien. Au Bataclan. Et puis celui-là, il a eu l'idée de se marier, ce qui est une bonne idée en soi. Voilà. Et voilà, et vous étiez témoin, et donc vous n'êtes pas venu. Bah oui. Le problème avec lui, c'est qu'il se marie souvent. Donc, si vous pouviez éviter de vous marier. Le problème, si tu pouvais éviter de te marier, alors, je t'explique. Il y a toute une tournée l'été, etc. 16-17 septembre à Bercy, tu pouvais éviter de te marier le 16 ou le 17 septembre. On pourrait faire des disques moins souvent aussi. Bah oui, mais bon. Alors, c'est un album très personnel dont vous avez écrit toutes les paroles, des textes un peu sombres, hein, quand même, avec beaucoup de questions sur le couple, ma chère Zazie. Genre, ça va t'intéresser, toi. Faut-il se prendre continuellement le chou dans un couple ou partir du jour au lendemain, tu vois? Où on s'engueule un peu tous les jours, où on s'engueule une bonne fois pour toutes. Je crois. Qu'est-ce que tu préfères? Si je puis me permettre, c'est une très très bonne question. Ah. Mais, mais en fait, il ne faut pas ne jamais s'engueuler. Ouais. Mais quand ça devient 24 heures sur 24, ça n'est pas très sain non plus. Non plus. Voilà. On est d'accord. Il n'y a pas trop de scènes en ce moment, ça. Si, il y en a, mais elles font partie de. Du bonheur. Du piquant aussi. C'était pour savoir si tout allait bien. Tout va. Alors, une chanson qui s'appelle La Dolce Vita, ça va t'intéresser, Frédéric. Voilà, le couple, une fois que la passion s'est un peu estompée, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est... Mais c'est pas moi qui ai fait ce disque, c'est regarde la réelle, quoi. Et toi, Dizzy, t'en penses quoi? Lui, il est maqué, lui. Ouais, il est marié, il est gravement marié, Dizzy. Vraiment, je pense que c'est comme dans tout, c'est un combat de tous les jours. Et, c'est un travail. C'est un, voilà. Ouais. Voilà. C'est vrai, on passe vachement de temps à travailler, on passe vachement de temps à faire des albums ou à ceci ou cela, et puis... Du coup, on baisse plus. Et puis, entre autres, ce qu'elle va dire, c'est super important. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on se donne beaucoup de mal pour plein de trucs, sauf pour l'amour qui devrait être mais peut-être notre aussi seule parce préoccupation, que, en fait. Voilà, alors que finalement, c'est peut-être aussi le truc dans lequel on est le moins doué, donc ce serait bien qu'on travaille un peu plus, quoi. Mais s'il faut travailler, ça devient... Non, c'est beau le résultat de l'effort. Ah bon aussi. Ouais. Ouais. Tu penses ça, Gilbert, toi? Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui. Quoi? Ah non, faut quand même. Non, il a peur que si je te donne la parole, tu la gardes une demi-heure. Non, Laurent. Non. Gilbert est capable de faire court, Laurent. Très court, même, la preuve. La preuve, c'est fini, voilà. Vous n'êtes pas marié avec Fabien, vous, hein? Non. Mais ça, c'est un des ingrédients, par exemple, qui pour moi, bon, après, c'est très personnel à chacun, mais le fait de savoir que l'un ou l'autre peut se barrer du jour au lendemain. Donne quand même une espèce de marié, notion tu peux, de... Tu peux te faire virer aussi. Aussi, c'est vrai. Non, puis quand t'as aussi, un enfant mais c'est avec... plus compliqué. En même temps, t'as un enfant avec Fabien, donc c'est pareil, finalement. Se barrer, c'est bien beau, mais quand on a un môme... C'est pareil, et puis c'est pas rien. Voilà. Ouais. Vous habitez ensemble? On habite ensemble, oui. Fromage et dessert, quoi. Ouais. C'est un truc de dingue, quoi. C'est important, ça. Alors, il y a un clip, qui est le clip de Slow, où vous embrassez une fille, Zazie. Dis donc. Hein. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, sec. Ah, c'est l'esprit troublé du réalisateur, Didier Le Pêcheur. Ça n'est que ça, ça il m'a fait refaire la prise quatre fois, l'enfoiré. Ah, oui, d'accord. Non, mais alors, le seul truc, franchement, c'est pas du tout mon truc. Ah, ouais. Mais par contre, c'est vrai que j'ai trouvé l'élève d'une fille très douce. C'est vrai que c'est doux, on n'imagine pas quand on l'a jamais fait. Ouais. Voilà, mais ça m'a pas provoqué un truc de dingue, voilà. Quoi. Non, mais vous dites, Zazie, à chaque album, j'essaye de placer le mot Amazon, ça me va bien. Et c'est vrai que vous êtes passé de mannequin à Amazon, d'une certaine façon, en termes de type de femme. Vous dites, la part de garçon en moi, c'est une manière d'être encore plus près des hommes. Oui, je pense. Vous, avez quand même, vous admettez que vous avez quand même une part garçon importante. Oui, mais enfin, en même temps... C'est bien quand il fait le geste. une part garçon. Non, en même temps... Être un garçon manqué, c'est j'espère être une fille réussie, quoi. Donc c'est pas. C'est bien. Vrai, c'est. On dirait du bec bédé. Non, mais c'est compris dans le coup. T'as du souci à te faire, tu vois. Mais c'est vrai que très longtemps, quand j'étais petite, j'essayais d'être un garçon pour être en fait vachement au contact avec les garçons. Ouais. Et ça a vachement bien marché parce que je les voyais en plus par le trou de la serrure, si je puis me permettre. et c'était très intéressant comme fille de pouvoir avoir accès à ces choses-là. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ils me prenaient pour confidente, j'étais là, mon cœur battait à 100 à l'heure comme n'importe quelle fille à la vanille. Et puis ils disaient, dis donc, je peux l'embrasser, celle-là. Ouais. Et là, d'un coup, ça, voilà, ouais. J'étais liquéfiée. Trop complice, donc. Je connais ça. J'ai connu ça aussi. Ouais. Tu deviens trop ami, très bon, mauvais. Bon, je crois que c'est le moment de faire une interview sexe fort. Zazie, est-ce que vous savez changer une roue? Oui. Est-ce que chaque année, vous allez au salon de l'auto? Non. Est-ce que vous avez sifflé avec vos doigts?
Oh là là. J'ai appris ça au concert de Michael Jackson. Bravo. Est-ce que vous êtes... Non, j'étais loin. Donc je ne me voyais pas, donc du coup j'ai appris. Est-ce que vous êtes forte au bras de fer? Non, non, j'ai des muscles de grenouille au bras, donc c'est pas... fracture à chaque fois. Est-ce que vous réussissez vos créneaux du premier coup? Je n'ai pas mon permis, donc même pas en rêve. Quoi. Donc vous ne devenez pas vulgaire au volant? Si, au volant de votre scooter, vous pouvez être vulgaire? Extrêmement vulgaire. Extrêmement vulgaire. C'est pour ça que je ne passe pas mon permis, parce que je pense que je vais me faire définitivement horreur. Quoi. C'est vraiment, je suis poissonnier. Tu lâches le guidon pour faire des wads? Non, mais je fais des bras, des doigts, des trucs atroces. Franchement, j'ai vu. Dangereux, hein, en scooter. Je ne suis pas fière de ça, mais ça me rend folle, parce qu'on frôle la mort en plus en scooter. Ouais, et quand tu fais un doigt, tu dis quoi au mec? Ou à la nana? Un doigt en général avec un sourire, ça suffit amplement. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas la petite vanne. Non, il faut que j'aille assez vite après. Histoire sans parole. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de regarder un match de foot en buvant une bière? Oui. Est-ce que vous mettez le réveil le dimanche matin pour téléfoot? Non, jamais. Non, jamais. Non. Vous avez déjà mis la main au cul d'un mec? Dans une chanson, oui. Dans un clip, dans un de clip Didier. Toujours, oui. Une chanson. Bien pratique, les clips. Ouais. Vous avez déjà offert un verre dans une boîte de nuit à un bel inconnu? Oui, j'ai déjà embrassé un bel inconnu comme ça, en allant droit vers lui, en disant que c'est dommage qu'il parte parce qu'il avait mis son manteau. Vous êtes capable de coucher sans sentiment? Je l'ai fait. Je l'ai fait comme expérience. Franchement, j'étais en larmes le lendemain. Oh quoi, non, donc je ne suis pas capable, je crois. Oh non, non, sincèrement, je suis assez fleur bleue pour ça, je crois. Est-ce que vous avez déjà tout fait pour qu'un mec vous largue? Non, jamais. Jamais. Non. Vous avez déjà oublié la date des anniversaires de vos mecs? 18 avril, représente. Oui. Oui, hein, la force des béliers, tranquille. Est-ce que vous avez déjà dit à un mec, excuse-moi, j'étais bourré hier soir, sinon j'aurais jamais couché avec toi? Non, non. Non. Vous êtes déjà sorti avec deux frères? Enfin, pas en même temps. Hein. Oh non. Non, non. Le père, le fils? Non. Non. Oh non, 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 non. Un est-ce oncle, que... un neveu. Non, on va y arriver. Vous avez toujours des préservatifs sur vous au cas où? Non. Ben non, parce que franchement, je suis assez amoureuse, donc... Ouais. Vous êtes capable de dire « je t'aime » sans le penser? Non. Et de le penser sans le dire? Non, par contre, je suis capable de le dire en argument et pas... Je veux dire, le plus beau « je t'aime », c'est celui qui est complètement gratuit, qui sert à rien, qui a... Voilà. Et c'est vrai que le « je t'aime » est quand même un petit peu... sert un peu de fourre-tout parfois. Ouais. Mais « je t'aime », enfin, voilà, pour argumenter. Donc, celui-là, ils sont pas... Quel accident de la route, un constat. Voilà, ceux-là, ils sont pas... Ils sont moins jolis. Ça passe toujours. Est-ce que vous avez déjà profité qu'un mec soit bourré pour coucher avec lui? Oui. Ah. Oui. Mais quand je bois, je suis bien, quoi, je suis un peu en forme aussi. Ça te gêne pas cette odeur de vomi dans le lit? Zazie Rodeo. Le single s'appelle Toc, Toc, Toc. C'est quoi ça? En vrai, je m'en tire bien, franchement. Enfin, je vais pas y arriver, mais vous devez essayer de lécher votre coude. Ah, c'est très facile. Et je peux pas. Ah, c'est vrai, on peut pas? C'est impossible. J'ai des coudes trop grands. Non, je peux pas. Pourquoi tu délègues pas à quelqu'un? Voici Eric Morena. T'as apporté des capotes, toi. Toujours sortir couvert. Ouais.
Mais attends, t'as prévu de baiser combien de personnes, là? Jazzy, il en a deux. Pour une fille mariée avec enfant. Tiens, voilà. C'est gratuit. Là, t'as eu les yeux plus gros que le bas-ventre. Hein. Ça va? Très bien. Vous êtes ici pour un disque et pour un livre. On va commencer par le disque. C'est pas un best-of, hein, puisque vous avez fait qu'un seul tube dans votre vie, donc c'est difficile de faire un best-of. Mais vous avez pris des chansons de Dario Moreno. Il y a aussi des originaux. Hein. Il y en a cinq. Ouais. Voilà. Et ce disque s'appelle L'Enchanteur. Ouais. Et on va écouter à quoi ça ressemble, Didier. On ne sait où il habite. On l'appelle Jola Marmite. Ce n'est pas un apprenti mutron, c'est un joyeux vagabond. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je crois bien qu'il durera la vie pour toujours. Si tu vas à Lyon, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village caché sous les fleurs sauvages. Tu reviens. Je suis le vagabond, le marchand des bonheurs. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Pour bien danser la bamba, pour bien danser la bamba. Écoutez-moi, il faut beaucoup de grâce. Il faut beaucoup de grâce. Un peu de moi pour la femme sourire. Qu'est-ce qu'on a fait le tuyau? Délancer de la grande échelle. J'adore celle-là. Qu'est-ce qu'on a fait le tuyau? Pas de panique, il nous les faut. Et l'incendie là-bas fait rage. Coucou, coucou. Et puis il y a ça, bien sûr. Pardon. Voilà Eric Morena. L'album s'appelle L'Enchanteur. En tous les cas, derrière cette folie, derrière cette fête, derrière cette bonne humeur et ces paillettes, il y a un peu de tristesse quand même. Oui, c'est-à-dire que... Il y a un bouquin qui s'appelle Un fond de tristesse. Oui, c'est-à-dire que c'est une... J'ai pas eu la prétention d'écrire un livre en disant je vais écrire un livre, C'est une confession. Je passe le message en disant que au moment où j'étais dans la lumière avec le bateau, eh bien mon ami était en train de mourir du sida. Et j'ai caché ce drame-là à tout le monde. Voilà, alors c'est un livre autobiographique, effectivement, que vous publiez aux éditions SDE. Alors vous racontez qu'au début des années 80, vous approchez la trentaine, vous vivez dans un studio, dans un petit studio, rue de la Roquette, avec une dénommée Patricia. C'est une relation platonique parce qu'en fait, la nuit, vous courez les bars et les parcs, mon cher ami. Absolument, les parcs qui sont fermés de nos jours. De nos jours, voilà. Vous courez aussi les clubs réservés aux hommes, avec des revues de travestis. Et puis, vous vous rendez compte, en voyant tout ça, que c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez faire du spectacle, en fait, hein, Eric. Oui, je veux faire du spectacle, je veux faire la fête, je veux m'éclater. Ouais. Voilà. Et finalement, vous ressentez en face de ça un désir de faire partie de ce monde-là, de ce monde de... C'est le même désir qui vous a fait quitter la vie religieuse, le grand séminaire où vous avez passé 7 ans. Oui, c'est-à-dire que je suis sorti du séminaire parce que je n'arrivais pas à vivre dans le dogme et dans ce qu'on imposait. Voilà, dans ce qu'on m'imposait. Donc je suis sorti un peu à la suite d'une crise de foi, si vous voulez. Ouais. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, donc vous êtes là toutes les nuits, vous assistez à ces spectacles de travestis, et un jour, un nouveau barman est engagé, un dénommé Antoine. Voilà. Vous flashez sur lui, vous parlez de troubles intenses, mais en même temps, il vous fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il est fou, parce qu'il est jeune, et que moi, j'ai quand même
35 ans, quoi. Lui, il est quand même plus jeune que moi. Il est 7 ans plus jeune que moi. Donc, il me fait peur par sa folie, parce qu'il aime trop la vie, il veut la croquer à pleines dents, voilà. Alors, vous quittez Patricia, vous installez avec lui. Oui, je quitte Patricia du jour au lendemain, ce qui est d'ailleurs très dur, parce que Patricia, j'ai toujours... je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais c'est toujours... Peut-être qu'elle vous regarde, là. Vous dites-lui un truc, là. Regardez, il y a votre caméra. C'est une des femmes de ma vie. Ouais. Ouais. Patricia, je l'ai aimée et je ne l'ai pas aimée comme j'aurais dû l'aimer. Mmh. Avec le recul, je le ferais certainement autrement aujourd'hui. Vous installez avec ce Antoine, il perd son job. Et là, c'est la zone, quoi. Si vous vivez tous les deux. Oui, on se retrouve finalement hébergé chez Emmaüs. On a plus un rond en poche et puis voilà. Et puis lui, il commence à travailler à Enghien-les-Bains dans une pizzeria. Et à partir de là, comme il travaille très bien, que c'est une locomotive... Eh bien, il me paye mes cours de chant et c'est là que je commence à travailler. Il vous pousse dans la chanson. Il me pousse. Et au début, vous commencez dans les maisons de retraite. Oui. Et vous gagnez 2 tickets de métro. Tout à fait, c'était mon cachet. Je commence à faire toutes les maisons de retraite de la banlieue parisienne. Et c'est en faisant les maisons de retraite et les cabarets la nuit que je commence à avoir une expérience de scène. Voilà, c'est en allant au charbon. Voilà. Alors, il vous finance des maquettes et puis vous finissez par enregistrer au Mont-Bateau. Il y a un producteur qui m'appelle un jour suite à cette maquette qui a été envoyée dans une maison de disques et qui me dit, voilà, je vais vous lancer comme un paquet de lessive. Voilà. Ouais. Ce qu'il fait, d'ailleurs. Oui, c'est un succès fracassant. Vous êtes nominé aux Victoires. Votre clip obtient un Lion d'argent à Cannes. Et là, le succès vous tourne la tête. Vous délaissez Antoine. Il commence à aller mal. Tout va très, très vite. Ouais. Le producteur crée un personnage. Et il me dit, il faut absolument que le chanteur, Eric Morena, soit exubérant. Ouais. Alors moi, comme je suis très timide à l'époque, je le suis toujours, d'ailleurs, et je me cache dans ce personnage. Et je n'ai pas la mesure dans l'excès. Je ne sais pas le faire. Et alors, ça prend en télé, ça prend des dimensions pas possibles. Tu as fait les beaux jours de Chavannes. De Chavannes, et je ne contrôle plus. Je ne contrôle plus rien. C'est de la folie. On te poussait à faire le bon client. Ah oui, 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 tout à fait. Et alors après, quand je rentrais dans la loge, je me faisais engueuler parce que j'avais soit dit une connerie, ou soit... C'était très dur à vivre. Et j'étais très mal, finalement, à la longue, dans la peau de Morena, finalement. Très, très mal. Et c'est là que vous rencontrez Denis, le fameux Denis, d'une indicible beauté, dit-il. Premier soir, vous flirtez dans les toilettes du resto, hein, déjà. Vous allez carrément vous, hein, vous n'êtes pas du genre à perdre du temps. C'est là, c'est une attraction charnelle et je trahis, si vous voulez, l'homme de ma vie, quoi. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs toujours le regret que j'ai. Alors, et que j'aurai toujours. Échange de numéro de téléphone, vous lui donnez rendez-vous à minuit le lendemain, et là, vous n'arrivez pas à le faire bander. Voilà. Le drame avec ce Denis, il faut le dire, vous parlez toujours de son sexe lourd que vous soupesez, mais vous n'arrivez pas à... Justement, on dit toujours que les grosses ne sont pas actives, mais je vais commencer à le croire. Non, mais c'est un gros tourment. C'est vrai que c'est un gros problème. C'est vrai, il y a des rechutes, hein, des fois. Hein. Non, mais c'est de votre faute ou c'est de la tienne? Je crois que c'est moi, en réalité. Je crois qu'il est plutôt avec moi parce que je suis un peu connu, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment de l'amour de son côté. Je ne le fais pas bander, c'est évident. Là commence une douloureuse vie à trois, donc avec Antoine qui est en pleine déprime, ce Denis dont vous êtes fou d'amour, vous n'avez pas... la Gaule, enfin l'enfer. Mais qui n'a pas la Gaule. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à le quitter, voilà. Et là, Denis vous vire, et c'est terrible pour vous quand Denis vous vire, vous dites je l'ai dans la peau, quoi. C'est là que vous parlez du sexe superbe et lourd. Oui, mais je vais vous faire une confidence, Thierry. Vous l'avez rencontré à une époque. Vous le connaissez de... Doria. Oui, tout à fait. Doria, il s'appelait. Oui, tout à fait. Oui, on l'appelait la demi-molle. Oui. Et d'ailleurs, pour le posséder, d'ailleurs. Il s'appelait Doria. Pour le posséder et pour, si vous voulez, pour vraiment mettre le grappin dessus. Oh là là, les gestes. Pas les gestes. C'est pas comme ça qu'il faut faire. On organise ce mariage gay qui est... Ah ouais. Quelle histoire, ça. C'est une histoire de fou et qui non, fait... Non, pas de fou. Folle. Voilà. Bon, voilà, vous faites ce mariage qui est une espèce d'extravagance. Tout déborde dans tous les côtés, quoi, voilà. Et là... C'est le drame. Oui, ça, c'est vraiment le drame. Tapotage. Là, c'est tapotage, c'est vraiment le drame. Là, par contre, il faut pas rire, là. Antoine découvre qu'il est séropositif. Hein. Voilà, je suis à l'affiche dans l'opérette de Francis Lopez à l'époque. Tout à fait. Et Antoine... commence à,
à montrer des symptômes. Le teint terreux. Le teint terreux, il commence à avoir mal aux jambes, il maigrit, il ne grossit plus. Et en 18 mois, c'est la descente aux enfers. Il a un sida déclaré. Un sida déclaré. Ouais. Et là, alors vous, il faut dire les choses, Eric, vous êtes possédé. C'est-à-dire que vous avez ce Antoine qui est agonisant à la maison. Je ne peux pas. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à quitter Denis. Donc vous êtes possédé au sens propre du terme. Je ne peux pas laisser tomber Antoine parce que... J'ai toujours le cœur, je l'aime. Bien sûr. J'aime Antoine. Et Denis, si vous voulez, c'est ma... Je vais m'aérer parce que quand on a son copain qui est en train de mourir et qu'on ne peut rien faire, il faut bien s'aérer. Et c'est vrai que, minable, je vais le soir, quand il prend des cachets pour dormir, quand je lui donne des cachets pour dormir, je vais chez Denis le soir pour me décharger, quoi. De ce fardeau, décharger de ce fardeau. Voilà, décharger ce... Vous rachèterez en tous les cas Eric vous occupant de lui au moment où racheter, il est hospitalisé à domicile. C'est-à-dire, vous rachetez. Racheter, c'est peut-être un grand mot, mais c'est, je fais l'hospitalisation à domicile parce qu'il ne supporte plus. On a traversé trois hôpitaux, La Salpêtrière, Bichat, Sainte-Anne. Il n'y avait pas la trithérapie, tout ça. Non, il n'y avait pas encore. Nous sommes en 91. Ah non, c'est le début. On mourrait plus vite. Ouais. D'ailleurs, il part en 18 mois. Donc, à partir de là, il ne supporte plus le milieu hospitalier. C'est pour ça que le professeur me dit, il faut absolument l'hospitaliser chez vous. Et lui, il me demande la maison, d'être à la maison. Et là, vous allez vous occuper de lui jusqu'à la fin. Donc, je m'occupe de lui et je mets un terme si vous voulez, je mets ma carrière sur le côté. Et je reste encore, je fais encore des prestations parce que l'agent qui s'occupe de moi à l'époque me fait encore travailler et me soutient pas mal. Mais je n'ai plus envie. J'ai plus envie de faire la fête, j'ai plus envie de mettre un costume à paillettes. Tout n'a plus de sens pour moi. Ouais. Voilà. Alors voilà, lui, il trouve le repos, mais pas vous. Vous mettrez 12 ans à vous en remettre de cette affaire. Mais j'en suis pas encore remis, vraiment. Je crois que je m'en remettrai jamais. Le livre m'a aidé, c'est un peu comme une thérapie, mais je n'oublierai jamais. On peut pas oublier quelqu'un qui est parti dans de telles souffrances. Et si j'ai écrit ça, je l'ai écrit pour la mémoire d'Antoine, mais je l'ai écrit aussi pour les malades que j'ai rencontrés dans les hôpitaux, pour tous ceux qui sont partis dans le silence, dans l'anonymat, et qui partent encore aujourd'hui. Bien sûr. Vous avez pris beaucoup de tranquillisants à l'époque ? J'en prends toujours. Ouais. On m'a mis sous Prozac dès le départ, sinon je n'aurais pas tenu le coup. Ouais. Souvent, j'allais longer les quais d'Austerlitz. Pensez au suicide. Mais très souvent. Mais je n'ai jamais fait de tentative. Non, parce qu'il y avait toujours une petite lueur. Il y a une chose que je ne comprends pas dans tout ça, c'est que cette foi qui vous avait poussé vers le grand séminaire, parce que vous avez quand même passé 7 ans au grand séminaire, est-ce que cette foi ne vous a pas aidé à ce moment-là ? Mais vous savez, à 18 ans, on veut refaire le monde, tout. Je suis un peu rentré au séminaire, un peu pour fuir peut-être le milieu petit bourgeois de ma famille. Je ne pense pas que j'avais une grande foi à l'époque. J'ai toujours la foi, mais c'est une foi plus du cœur que de la raison. Voilà. En tous les cas, ce n'est pas une foi qui vous a aidé supporter toutes ces... La foi m'a aidé, mais pas totalement. Ouais. Elle vous a culpabilisé aussi. Elle m'a culpabilisé. Parce que quand vous parlez de l'autre, que vous aviez honte d'aller voir l'autre, ça, c'est un raisonnement très catho, je trouve. C'est très catholique. Je suis catho aussi. Je ne peux pas en nier, mais... C'est pas la foi qui est en cause, là. Hélas, mes origines. C'est pas la foi qui est en cause, là. C'est pas la foi. C'est pas la défense. C'est la morale. C'est la morale, hein. C'est la morale. Voilà, Eric Morena, Un fond de tristesse, c'est publié chez SDE. Tu es le plus beau des bateaux. Brave en toutes les tempêtes. Ouais, cette chanson, ça me rappelle Bain de minuit. Ah ouais, c'est tout à fait l'époque de Bain de minuit, ça. Avec un ami que nous avions en commun, qui était Yves Mourouzi. Bien sûr. Et que j'aimais beaucoup. Voilà. J'accueille Rachida. Le petit tarbouche là. C'est pas mal, hein. Moi j'en portais un, on parlait de Bain de minuit à l'instant. Dans Bain de minuit, je présentais l'émission avec un petit tarbouche, le look Farouk. Et tu sais qui avait commencé? C'était Crouché. Ouais. Qui lui aussi nous a quitté. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Philippe Crouché. Portait ça. Si tu nous regardes,
Ouais. C'est une façon de représenter la Turquie. Ah. C'est l'Empire ottoman. Ouais. Ça va? Ouais. Alors, je sais pas si vous connaissez Rachida, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Didier. Et puis il y a ça. Rock de Casbah, c'est sur le dernier album de Rachida qui s'appelle Tais-tu-toi. Rock de Casbah, alors, vous connaissez l'émission, Orlando exige le clip, évidemment. Vous connaissez Orlando, il est casse-couille, je sais, mais bon, il est comme ça, Orlando. Il nous lâche pas une seconde, hein, toutes les semaines. Bon, alors, regardez votre caméra, Rachida dit. Ah, Magnéto Serge, voilà. Magnéto Serge. Rachida, Rock de Casbah, extrait de son nouvel album qui s'appelle Tais-tu-toi. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est un peu comme Bec Bédé. Bec Bédé, on le voit. Si, Bec Bédé, il sait plein de choses maintenant. Non, mais Bec Bédé, on le voit ici, tu vois, à Paris, faire le pitre et tout, mais en fait, il vend des livres dans le monde entier. Ouais. Et toi, c'est un peu pareil, parce que Yaraya, c'est un carton mondial, Rock de Casbah aussi, tu fais des concerts dans le monde entier. Ouais. C'est quoi? Ouais. Il est même pas énorme, il est huge. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est tout. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, non? Ouais, c'est vrai. Puis non. Là, tu vas à Saint-Pétersbourg au mois de mai, t'es en Amérique sans arrêt. Ouais, non, dans ce qui est intéressant, à Moscou-Saint-Pétersbourg, je travaille avec Brian Eno. Ouais. Et qui est. Non, c'est drôle parce que c'est une histoire. Bon, en fait, que je voulais. Ça fait 20 ans, on voulait bosser ensemble, mais un jour, on s'est rencontrés dans un concert où il était avec Robert Hayat, que tu connais. Robert Plante, tous ces gens-là. Il me dit, tiens, c'est marrant, il y a une chanson que tu as faite et je voulais la faire il y a très très longtemps. Je dis, ah bon, c'était Habina. Ouais. Il avait fait une version anglaise et on a chanté ensemble. Et après, donc, on a eu des propositions pour faire des concerts dans le monde. Ouais. Et on fait donc deux concerts à Moscou, Saint-Pétersbourg avec Brian Eno. Alors que tout le monde veut chanter. Attends, enfin, ceux qui ne connaissent pas Brian, c'est le producteur de U2. Ouais. C'est Brian Eno. Surtout un des fondateurs de Roxy Music. Bien sûr. Il y a un des trucs que les gens ne savent pas aussi, c'est que tu as fait une chanson sur l'album de Carlos Santana qui s'appelle Supernatural, qui s'est vendu à 28 millions d'exemplaires. Et qui s'appelle Migra. Exactement. Ouais, il avait repris une chanson qui s'appelait. Kelmak, il a repris la chanson. Ouais. Ouais, ouais. Rachid, t'es la seule star rock arabe. Rock tout court, rock tout court. Si t'es arabe, Rachid, hein, c'est pas la peine de te fermer les yeux. Hein. Ouais. Non, alors, les Arabes, ça représente quand même 500 millions de personnes. T'as raison. Et puis en plus, toi, tu détestes cette idée de communauté. Ouais. Hein. Ouais. Ça t'énerve. Tu dis, si on maintient pas cette différence avec les pays anglo-saxons, on est foutu. On est dans la merde, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Le communautarisme, tu penses? Je déteste ça, le communautarisme, tout ça, les religions, tout. Je pense que, qu'il y a, il faut avoir
Parce que je regarde des émissions parfois, et tout, vous savez, on parle beaucoup de religion en ce moment. L'islam, le judaïsme, le catholicisme, etc. Je trouve ça lamentable parce que la plupart des gens, ils en parlent très très mal. Il y a une chose qu'ils oublient, c'est de parler du cœur. Toi, tu es un laïc musulman, tu dis. Non, tu es pour le Coran alternatif. Voilà, je suis le Coran alternatif, ouais. Ouais. ACDC. C'est bien, les ouais. doigts dans la prise, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Electricity. Ceci étant, l'islam, tu dis, c'est pas mal, parce que c'est quand même une religion qui autorise et qui ouais. permet de faire l'amour, alors que les cathos, ah, c'est plutôt péché, ouais. non ? Il y a mille manières de dire « je t'aime » en arabe. C'est-à-dire que le prophète parle beaucoup de sexe. Ouais. Il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup... D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, dans un des versets du Coran, il dit « rien ne vaut le dos d'une femme et le ventre d'un homme ». Ah oui. Ouais. Donc, à chacun... C'est pas mal, cette religion, dis donc. Ouais. Ouais. Bah, l'hindouisme, chacun c'est pas mal aussi pour ça. Non, mais ouais, dans le cantique des cantiques, il y a aussi de l'érotisme. Il y a des trucs sexuels. On est moins au courant, nous, hein ? Au courant. Ouais. Alors, ceci étant, tu dis, Rachid, c'est difficile d'être musulman quand on voit l'absence de démocratie dans les pays arabes, ouais. et surtout quand l'Égypte enferme des homosexuels au nom ouais. de l'islam, quoi. Ouais, 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 j'ai dit ça, d'ailleurs. Donc, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une chose qui est en train de changer. Là, par exemple, dans mon dernier album, si où je suis assez cru, où je dis qu'il y a un manque de démocratie dans les pays arabes, où je suis, bon, c'est complètement radical. Et quand j'ai joué à Amman dernièrement, où il y avait des gens qui chantaient avec moi. Ouais. C'est la première fois où des gens disaient les emprisonner et puis leur demander des comptes. C'est la première fois mmh. que ça se passe. Et donc, il y a une espèce de liberté. Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire une chose. Parce que, bon, aussi con que ça puisse paraître, en Irak, malgré ce qui se passe, malgré l'occupation américaine et tout, les gens ont voté. Hein, en ouais. Palestine, ils ont voté. Donc, ces images passent dans les pays arabes. Et donc, le peuple arabe, ils sont là, ils se disent « Merde, ils votent, pourquoi on ne voterait pas ?» ouais. Donc, il y a une espèce de révolution. Il y a une contagion de la démocratie. Exactement, ouais. il y a une contagion. Ouais. C'est peut-être Bush qui avait raison, finalement, alors. Mais, c'est marrant, mais... Ouais. Et, ouais. Même quelque part, je dis, je suis charron. Vous criez à Babouche, tu vois. Attends, écoute, parce que c'est très rare. Non, non, mais c'est vrai. C'est très rare que quelqu'un dise ça. Je dis, je fais chier, mais je dis, bon, Charron, je l'ai critiqué à l'époque de Sabra et Shatila, mais même maintenant, comme Begin ou comme Rabin, c'est des gens qui étaient des faucons, qui étaient des vrais militaires, c'est eux qui ont fait la paix. Et Charron, je pense... Quelque part, c'est la paix en train de se dessiner en Palestine. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que je voudrais dire aux gens rebeux qui sont là, qui ouais. parlent des Palestiniens, ouais. qui ne connaissent absolument rien, parce que je leur dis, les Palestiniens, une chose, ils ne sont pas antisémites. Okay ? Ils ne sont absolument pas antisémites, et les Juifs, c'est des frères. Okay ? Donc, qu'on arrête ce discours, les Juifs, c'est des connards, les Juifs, ils tiennent le pouvoir, les Juifs... Et dernièrement, je faisais une interview avec une journaliste égyptienne, elle me dit, elle parle d'Israël, et je lui dis, bon, au bout d'un moment, vous arrêtez de me dire des conneries, vous savez, vous chantez sur Aïcha, vous savez, Aïcha Khaled et tout, ouais. c'est un Juif qui l'a fait. Ouais. Je lui dis, ah bon, c'est Jean-Jacques Goldman. Elle me dit, ah bon, oui, c'est un Juif. Didi, c'est Don Was qui a produit, c'est un Juif. Ouais, Don Was. Ouais. De Was Notoise. Ah bon, je lui dis, alors arrêtez, c'est grâce aux Juifs que vous dansez. Et d'ailleurs, si je suis là, c'est grâce à un Juif qui s'appelle Alain Lahana, où je tourne dans les pays arabes. Alors s'il vous plaît, il y a une chose, et même dans les pays comme la France, démocratique, il y a deux personnes qui sont absolument importantes pour moi, c'est Simone Veil pour l'avortement, et M. Badinter pour l'abolition de la peine de mort. C'est des Juifs, et moi des France. Voilà, donc c'est pour ça, je voulais leur dire ça. C'est assez rare d'entendre ce genre de discours de quelqu'un de... Enfin, rebeu, quoi. C'est-à-dire que c'est dangereux de pour dire lui. Ça. Pour oui. lui. Ah, oui. Et il ne le dit pas seulement ici, à la télé. Il le oui, dit mais en, il est costumé, quand même. On ne va pas le reconnaître. Quand il va... Non, mais ça, je suis désolé. Quand il va en Jordanie ouais. et qu'il tient ce genre de discours, ouais, c'est, gonflé, c'est, ouais. c'est, pas, c'est anti-démago. Bien c'est sûr. Extrêmement risqué. Et il dit...
Il dit des choses, faisons la paix, mais il dit aussi, arrêtez vos conneries, etc. C'est là que la musique est merveilleuse, parce qu'en plus, lui, il a vraiment quelque chose qui est de toute manière contagieux. Ouais. Qu'on le prenne pour une maladie ou pour un truc positif, c'est une irrésistible envie de danser, de faire la fête et d'embrasser son voisin quand on voit son spectacle. Ouais. Peu importe la couleur de peau et voilà, si c'est les cheveux frisés ou pas. Et ça, c'est une puissance incroyable, quoi. Parce que ça va partout et ça va pour rien, voilà. Rachida, Roque Calpa, cet extrait de son dernier album, T'es qui toi ? Gilbert, Oli. Merci. Gilbert, Collard, le titre, bravo, messieurs. Salut, Gilbert. Et moi, j'accueille New Order. Allez, c'est bon. Bonsoir. 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 Je suis calme. Alors, maman, New Order est un groupe qui a été fondé par Ian Curtis. Voilà, New Order a été fondé par les trois survivants du groupe Joy Division après le suicide du chanteur Ian Curtis, effectivement, en 1980. Et effectivement, le tube de Joy Division, c'était ça. Love Will Tear Us Apart, qui a été classé 6e meilleure chanson de tous les temps par les Anglais dernièrement. Ça vous fait plaisir ? If we'd have had the other five. Ben, c'est-à-dire que si on avait pu avoir les 5 autres chansons, ça aurait été encore mieux d'être le premier, mais enfin bon, numéro 6, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, cette chanson, Love Will Tear Us Apart, raconte la rupture de Ian Curtis avec sa femme Deborah Curtis, quelques mois avant de se pendre dans sa cuisine. Et cette chanson est sortie sur l'album posthume de Joy Division qui s'appelle Closer. Voilà. Alors, Love Will Tear Us Apart est d'ailleurs l'épitaphe qui est sur la tombe de Ian Curtis, épitaphe demandée par sa femme, Deborah Curtis, qui a écrit une biographie de son mari, une biographie très controversée, qui servira de trame à un film consacré à Ian Curtis. Alors, Joy Division, c'était les femmes déportées, forcées de se prostituer avec les dignitaires nazis. Ça fait un scandale quand le groupe est apparu sur la scène britannique, non ? Oui, en effet. Bon, scandale, c'est un grand mot. Disons qu'on a peut-être mal interprété le nom du groupe. Mm. Et quand vous êtes appelé New Order, ça a été encore un scandale, parce que New Order, ça veut dire ordre nouveau quand même. Pourquoi un scandale, bon, je ne sais pas, il y a toujours cette idée de scandale. Peut-être un peu bête aussi dans le choix des noms. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu démontrer au fil des années que, en fait, ces pensées n'avaient aucun sens et que, quel que soit le nom du groupe, c'est simplement l'étiquette qu'on donne à la musique. Ce qu'on a pu montrer avec les années, c'est que c'est notre musique qui compte, pas le nom du groupe. Il n'y a pas d'idée politique, par exemple. Alors, vous avez changé de nom, vous appelez Joy Division et après New Order, parce que vous aviez décidé que s'il y en a un qui quittait le groupe, quelle que soit la raison pour laquelle il quitte le groupe devait changer de nom. C'était un accord entre vous, c'était un deal entre vous. Oui, c'était un deal entre nous. Pourquoi ? Parce qu'on estimait que si il manquait quelqu'un, ce serait plus la même chose. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et puis d'ailleurs,
pour des questions d'amour propre, d'ego. Après la mort de Ian Curtis, c'était quand même quelque chose, c'était un choc pour nous tous, c'était important de redémarrer sur une nouvelle base, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs très bien, puisqu'ensuite on a fait Blue Monday, et puis on est pratiquement le meilleur groupe du coin. Bien sûr. Alors ensuite, effectivement, le groupe s'éteint progressivement à l'aube des années 90. Comme Orlando. Silence, silence. Le groupe s'éteint. Tu n'as pas, Jeanne? Ah, putain, excuse-moi. Ok, ok. Pis, hein. Ok, autant pour moi, Laurent. Je m'en fous, hein. Tu changes un autre boulot. Hein. Non, non. Le groupe s'éteint progressivement, comme Orlando. Silence. Et alors, le groupe n'a pas vraiment splitté, mais vous ne vous êtes pas adressé la parole pendant 5 ans. Pourquoi? Disons qu'il y avait pas mal de problèmes à l'époque. Et puis, le problème, quand il y a des problèmes, c'est qu'on se défoule un petit peu sur ses proches, sur ceux qu'on aime. Et bon, je crois que c'est quelque chose d'humain, une faiblesse de l'homme. Et puis, c'est ce qui s'est passé. On s'est tapé dessus alors qu'on s'aimait beaucoup. Et on n'a pas pu sortir des problèmes financiers, d'ailleurs, que nous rencontrions. On avait une boîte qui s'appelait la Hacienda à Manchester, qui était pleine de drogue et d'armes à feu. C'était peut-être pas le meilleur endroit pour passer ces samedis soirs, mais enfin, on l'a fait. Non, c'est pas génial. Enfin, j'en ai des bons souvenirs, disons. Mais Miss, à part cette histoire, disons qu'il nous fallait faire un break, les uns par rapport aux autres, et il n'y a pas beaucoup de groupes qui attendent d'attendre d'arriver au sommet de leur carrière pour ensuite faire un break de 6 ans et recommencer après. On a pris un risque important, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais soit on est très courageux, soit on est complètement stupide. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous étiez complètement carbonisé par vos tournées à l'époque. C'est-à-dire que vous faisiez des concerts, le lendemain matin, vous preniez l'avion, vous vous défonciez à mort, vous arrivez à un moment, vous étiez complètement cuit, non? C'est ça? Were you there? Vous étiez là quand vous avez tout ça? In the same trip, anyway. En 2001, vous avez sorti Brutal, qui était la bande originale du film The Beach, La Plage. Ensuite, un album qui s'est appelé Get Ready. Et aujourd'hui, donc, vous sortez votre 8e album qui s'appelle Waiting for the Sirens to Call, en attendant l'appel des sirènes, voilà. Très bien accueilli par la critique, hein. En tous les cas en France. Je ne sais pas en Angleterre, mais en France, la critique est dithyrambique. It's doing very well. En Angleterre aussi. Non, ça marche bien. C'est-à-dire que le disque n'arrive jamais au bon moment parce qu'on est tellement pris par tout ce qu'on a fait. On est en plein dans le projet au moment de la sortie, donc on n'arrive pas à savoir si la musique est bonne ou non parce qu'on est pris dedans. Donc il faut prendre un peu de recul, nous jeter, disons, en quelque sorte, à la merci des critiques et voir ce que ça donne. Et puis s'ils nous écrivent des saloperies, on dit les salons, on va leur faire voir. Et on revient avec un nouveau disque et puis on se défend. Fonds, en concert, etc. Et puis on continue et on aime ça. C'est ça qui est sympa. Je dois dire que moi, j'ai toujours aimé ça. Oui, mais il faut. Alors l'atmosphère est plus joyeuse sur cet album-là que sur le précédent, Get Ready. Et pourtant, vous l'avez enregistré dans un château médiéval, celui de l'actrice Jane Seymour à Bath, dans la chambre de Dracula, à la lueur des bougies. Et c'est étonnant que finalement l'atmosphère de l'album soit aussi joyeuse. Oui, bon, écoutez, on a essayé de tirer le meilleur parti des circonstances un peu noires. Vous savez, quand il fait froid dehors, lorsqu'il y a les fantômes qui commencent à apparaître, bon, c'est une blague. C'est vrai qu'on a trouvé un squelette de bébé dans ce château. Supposedly up the chimney. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Oui. C'était en rapport avec Henri VIII et l'une de ses maîtresses. En fait, c'est là que Stephen. Ouais, c'était dans ma chambre. C'était une chambre hantée. C'est le dernier arrivé parce que sa voiture est la plus lente. Et donc, parce qu'il est arrivé le dernier, il a eu la plus mauvaise chambre. Bien fait pour lui. Le squelette du bébé était dans la cheminée. Le lit était hanté aussi. Il fallait faire le lit. Le lit tremblait, c'était vraiment incroyable. Le lit était surtout trop petits, parce qu'à l'époque, ils étaient plus petits que maintenant, non? Oui, c'était à l'époque, les gens étaient vraiment petits au XVIIe siècle. Donc il faut dormir comme ça. C'est mort aussi, très petite, je crois, ça. Ah bon, je savais pas. À peu près comme ça, oui. C'était peut-être son lit à elle. MC Beg, MC Beg en place, MC Beg. MC Beg.
Alors, est-ce que le traducteur peut traduire pour nos amis britanniques? Donc, ce que je veux, c'est pas le titre de la chanson, c'est le nom de l'interprète. Dans un premier temps, on joue par équipe. C'est l'équipe de Zazie contre l'équipe de Laurent Baffy. Et ensuite, c'est chacun pour sa gueule. Il n'y a plus d'amis. C'est l'ultra-libéralisme. C'est l'ultra-libéralisme. Un système que nous contestons, néanmoins. Néanmoins. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes prêts chez vous pour jouer? Ici, nous le sommes. Monsieur Beg Bédé. Oh, pardon. MC Beg, pouvez-vous envoyer votre premier morceau? Pour moi, c'est mieux que d'entrer à l'Académie française. Ouais, tu sais qu'Alain Chabat, son rêve, c'est de faire le blind test aussi. Ouais. Ouais. C'est dans 39 ans que j'attends ça. Ben voilà, tu y es, c'est ce soir. C'est énorme. Numéro 2, MC Beg. Non, tu dois faire comme ça. Révélation. Hey, Frédéric, tu es parfait. T'as vu? Et c'est le film où il y a ton sosie, Mike Myers. Il copie tout sur moi. Bah oui, c'est ça. Continue, mon chéri, c'est très bien. Ah, il faut le doigt. Ah oui, le doigt. Ah, Mike Myers. Non. Oui, le producteur. Quincy Jones, ici. Révélation. Bien, 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 bien. Donc ça fait quoi, ma petite? Ah, ça fait deux pour l'équipe de Laurent Baffy, un pour l'équipe de Zazie. Est-ce que j'ai le droit de souffler au groupe New Order parce non, que non, je les aime? Non, 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 tu n'as pas le droit de souffler au groupe New Order. D'accord, non. Okay. Pas là, là, allons-y. Hop. Hanson. Oui, bravo. Qu'est-ce qu'on s'entend bien, dis donc. C'est incroyable, hein. Oui, c'est vrai qu'on a développé une certaine complicité au fil des années. C'est clair. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas mettre le morceau numéro 5. C'est très facile. Il suffit pour moi d'appuyer sur le bouton avec mon index. C'est le prix de The Independent, là, oui. Vas-y. Oui. T'appuies, là, chérie. Oasis. Ouais, la 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 la. Continue. Give us an easy one. Trois pour l'équipe de Laurent Baffy, quatre pour l'équipe de Zazie, associée à This Is, La Peste et New Order. Voilà. On continue, MC Beg. Merci, Président. Non, pas loin. Yann Arroth.
Pas loin. Tu brûles. Non, tu brûles. Donna Summer. Donna Summer. Ouais, Donna Summer. C'est bon. Attends, Serge. Continue. Ah non, tais-toi, je veux pas de soufflage. Divo. Ouais, bravo. Quoi? Bravo. Voilà, 5 points pour l'équipe de Zazie, 4 points pour l'équipe de Laurent Baffie. Divo. C'est serré. Chut. Ah, Bobby. Ouais, bravo, c'est non. Je dis avant. Non, il a dit avant. Non. Ah, Bobby Williams. Bobby Williams. Come on hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. Ouais, Phil, merveilleux, Phil, merveilleux. Oh, c'est trop beau. Est-ce que c'est bien Laurent? Vous êtes d'accord, ah, Catherine? Là, oui. Bon, j'avoue, ouais, je suis fair play, j'avoue. C'est... Non, c'est pas du fair play, il a répondu avant toi, là. Non, mais arrête, il n'y a pas de... T'as dit Moby. J'ai dit Moby, moi. Il va me culpabiliser, lui. Allez, attention. Le doigt. MC Ben. Deep Purple. Non. Metallica. AC/DC. C'est un copieur. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas eu soufflage? Eh, je vous jure. Parce que si elle a eu soufflage, Laissez-moi parler. Chut. Objection, votre honneur. Oui. Je vous le jure. Oui. Sur la vie de mes enfants, d'accord, que je savais que c'était Nick Kravitz. Ok, d'accord. Ouais, mais bon. C'est vrai. Non, mais. Alors, dis-y, c'est lui-même. Ah, mais il a raison. Je le connais. Et parce alors, t'as pas d'enfant, toi? Je connais la version originale. Je connais la version. Gainsbourg. Non. Ah oui, Il y a du soufflage, le point va là. Ah bah oui, ça fait deux fois. La première fois, je dis rien, mais la deuxième fois. Vous les gagnez ou vous les perdez? C'est les filles, là. C'est la première fois, je dis rien quand il y a soufflage, mais la deuxième fois. Donc le point va là, et nous sommes à 6 à 6. C'est-à-dire qu'à l'issue, du par équipe, nous sommes dans une parfaite égalité. Nirvana, non. Nirvana, c'est soufflé, Zazie. Point, voilà. Donc ah ça oui, fait 6-6. C'est, ah, c'est soufflé là, ça va là. J'ai balancé direct. Voilà. Et en même temps, tu sais quoi? On te réveille à quelle heure? Maintenant. Il y a un vrai suspense, et ça, c'est bon pour l'audience. En même non, cas, maintenant. Les gens se demandent vraiment qui va gagner. Maintenant, on arrive dans le chacun pour sa gueule, donc il n'y a plus d'équipe. Chacun répond pour soi. J'espère que la traduction explique à nos amis de New Order qu'à partir de maintenant, c'est chacun pour soi, c'est le banco MC Ben. Une question là-dessus, Dedans. Hendrix. Queen. Let's go, Pete. And I wanna be your dog. C'est Les Stoutes, c'est ici, bravo.
C'est un point pour nos amis de New Order. Peter, absolument. C'est qui? Peter Divitt, c'est les Stooges. Le groupe de Iggy Pop avec les frères Ashton, d'accord, quand ils étaient encore à Detroit. Voilà. C'est très, très vieux, tout ça. Ouais. Et maintenant, nous passons au méga banco, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que celui ou celle qui va trouver sera le king ou la queen de la soirée. MC Beg, please. Metallica, AC/DC. Ouais, this is. Ouais. Bravo! Il est rapide, c'est ça. Eh, j'en ai eu 5! 5! Eh, j'ai un cadeau content. Voilà, merci et bravo, This Is. This Is la peste, mesdames, messieurs. Il est rapide. This Is la peste! Ouais! Voilà, c'était Tout le monde en parle avec Laurent Baffy, Frédéric Bourdin, Christophe D'Antonio, le caméléon, l'invraisemblable histoire de Frédéric Bourdin, de Christophe D'Antonio, chez Patrick Robin, édition, Béatrice Dalle et This Is, Dans tes rêves de Denis Thibault, avec Béatrice Dalle, This Is, Vincent Elbaz, le 13 avril, plus la BO, qui s'appelle comme le film, Dans tes rêves. Dominique Boinet, merci Dominique. Frédéric Becbédé, L'égoïste romantique, c'est chez Grasset. Gilbert Collard. Zazie, l'album s'appelle Rodéo. Elle est en tournée à partir de juin et les 16 et 17 septembre à Bercy. Maria Carré, l'album s'appelle The Emancipation of Mimi. Eric Morena, l'album s'appelle L'Enchanteur. Le bouquin s'appelle Un fond de tristesse et c'est publié chez SDE. Rachida, l'album s'appelle Tequitois, actuellement en tournée. Rachida, le 7 avril à Lyon, le 28 avril à Rouen, le 24 mai à Saint-Pétersbourg et le 26 mai à Moscou. Rachida, New Order, l'album s'appelle Waiting for the Sirens Call. Voilà, et le single s'appelle Crafty. Voilà, c'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine, merci. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.